Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce stream sur YouTube. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée en ce lundi. Et yop, Mayoko qui se connecte. Et donc, salut Mickaël, salut Brinves, salut mon nom. Salut Minish, salut Popcorn, salut Joumani et bienvenue à vous toutes et tous. Alors ce soir, on a un bel objectif. Ce soir, on va finir le schématique. On va finir la partie centrale de la base, même si on avait quasiment fini samedi soir. Voilà, je vous montre sur la map. On a presque fini. Il nous manque vraiment plus que, plus que le sol, en fait, parce que si je prends un peu de hauteur... Voilà, hein. On a fini la partie échafaudage. Que j'aime bien, qui rend bien, et il nous reste à faire le sol, et puis voilà. Et salut Enzo, non tu ne peux pas, je suis sur un serveur privé, et donc il nous reste à faire le sol, donc à poser essentiellement des trappes, à faire ici, à finir la partie avec ces petits blocs, et puis la fin, vraiment la toute fin des échafaudages n'avait pas tout à fait fini, par exemple par ici c'est pas fait. Et puis des petites barrières. Et après on aura terminé. Diorin, tu veux faire quoi cette nuit? La même chose que chaque nuit, Minus. Tenter de conquérir le monde. Et du coup, je pense que ça va nous prendre peut-être une petite heure, j'en sais rien, même moins. Je sais pas, j'ai aucune idée de combien de temps ça va nous prendre. Mais après on aura fini ce schématique et donc on retournera du côté du temple de l'eau. J'ai passé une commande chez Stonks pour acheter du Prismarine, donc on ira acheter ça avec les sous de la faction parce que j'ai pas de sous. Et on ira voir pour continuer les patterns du temple de l'eau. Voilà le programme de ce soir. Du coup normalement j'ai tout ce qu'il me faut sur moi, j'ai même branché la Orana Cam qui est pas sur le bon écran. Tiens donc. Il est arrivé à la Orana Cam. Pourquoi elle n'a pas le bon écran? Orana Cam. Orana Cam. Voilà. C'est mieux. Salut Xurlop, salut Riette, bienvenue, bienvenue à vous. Et du coup, pouf, pif, paf, c'est parti. Mankekei. Il y a du monde ce soir sur le serveur, il y a du monde. Roi et Z ont encore avancé de Roi et Z, Roi et Alps. Regardez-moi ça, on ira voir ça tout à l'heure, mais regardez-moi ça. Ils ont avancé comme des fous. Je vous parle même pas du trou qui a été creusé. C'est juste insane. Incroyable. Bon, du coup, on va activer le schématique. Pouf. Et c'est parti. Et évidemment, j'ai foutu ça à l'envers. J'espère que vous aimez les trappes.
Est-ce qu'on va poser des trappes? Il se pourrait que les dômes poussent comme des champignons sur les cubes. Eh oui, après Olytrou, Olydôme. En fait, le problème, c'est qu'avec les nouvelles hauteurs, les nouvelles profondeurs, les trous n'ont jamais été aussi gros sur Olycube. Et j'ai l'impression que les trous ont commencé encore plus tôt. C'est-à-dire que quand je vois toutes les machines à TNT qu'on utilisées par la Stonks, je pense à Dalaran de Magic que j'ai hâte de voir, je pense au progrès de Red Tox, c'est juste insane. Insane. Il va vraiment falloir que je m'organise un world tour pour aller voir un peu tout ce qui a été fait parce que clairement il faut voir ça pour le croire, je pense. Hein, c'est juste méga grand. C'est grâce à la pluie. Et merci pour le follow, Nanaki-sama. Extraordinaire, c'est qu'on est presque à l'objectif des 8000 follow. Hein. C'est fou, hein. En très peu de temps. En très très peu de temps. On a progressé grâce à vous. Grâce au raid aussi. C'est cool. Ah oui, non, il y a pas d'écho. Enfin, il y a des écolos chez sur l'Icube, mais je sais pas quoi vous dire. Bizarre, j'ai un petit. Un petit son dans mes écouteurs, je sais pas. Dans mon casque. Ah non, c'est peut-être juste. Ah, mais il y a quelqu'un. Il est là. J'ai entendu quelqu'un. Quelqu'un est en train de faire une petite visite. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Bonsoir. Non, j'ai rêvé. C'est bizarre, je m'entends double à certains moments. Alors, pourquoi? Alors, attendez, est-ce que ce serait pas... Voilà, est-ce que c'est pas ça? Purée, je m'entendais en double de la Oranakam. Ok, c'était mon écho de la Oranakam. J'étais pas seul. C'est bizarre, ça me l'avait jamais fait. Salut Gaylord, Popo. Oran entend des voix, métro. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me trollait. Pas du tout. Pas du tout. C'était un auto-troll. C'est ta conscience. C'est ça. Oran Dark. Pourquoi ici c'est pas bon? Ici c'est bon.
Je vous avoue que ce soir, j'avais envie d'avancer sur ça, mais j'avais pas mal envie aussi de continuer à Strutter. Hein. Hier, on a bien bossé, on a commencé des trucs nouveaux, j'avais bien envie. Mais bon. Ah oui, tiens, je peux en profiter. Attendez, déjà, je vais en profiter pour égoutter mon petit thé, parce que non, mais oh. Eh, ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure. Ça fait 10 minutes que le stream est lancé, et j'ai toujours pas bu une petite gorgée de thé. Ça va pas, ça. Ça va pas. Commence à entendre des voix dans ta tête, c'est que peut-être que tu t'es fait contaminer par boîte. Mais boîte à meux, c'est pas qu'il entend des voix dans sa tête, c'est qu'il a plusieurs voix dans la tête qui lui parlent. C'est pas pareil. Il est plusieurs voix. Hop. Et salut Louis. Boîte à meux, c'est le multiverse. On fera un petit tour après pour voir l'éclairage. Parce que je voudrais pas que ça spawn quand même là-dessus. Et ouais, ça va, Louis. Oui, j'avais autre chose à vous montrer. Oui, Mimiche, le planning. Le planning, puisque je l'avais pas montré hier soir. Le planning, merci. Le voilà, le planning, il est beau, il est tout frais. Le planning de février. Bon, techniquement, ça commence demain, février, mais voilà. Et donc, ce soir, nous sommes sur du Holy Cube. On termine le sol, le premier sol de la partie centrale de notre base. Ensuite, demain soir, un stream spécial avec un stream double face, un stream montage Holycube saison 5 avec la création petit à petit, parce que ça va nous prendre beaucoup de temps, la création des éléments du timelapse de toute la saison 5 dans l'End avec ma base spatiale. Donc si vous voulez revoir des éléments de ma base spatiale dans l'End de la saison 5, vous pouvez passer demain. Et en parallèle, comme on a des phases simplement d'encodage et qui sont un peu longues, eh bien en parallèle on fait un peu de créatif. Et donc demain on continuera à bosser en créa sur tout ce qui vient au-dessus de ce que je suis en train de construire ce soir. Donc en créa on a une partie des éléments. Mais demain on va tester, on va choisir des matériaux et on fera peut-être des petits tests de patterns pour les portes, pour des petits éléments de détail peut-être. On aura aussi peut-être des choses à rajouter, enfin vous verrez, ça va être cool. Mercredi, difficiles aventures, et on continue. Mercredi, on fait autre chose, mercredi on fait du terraforming, ça changera un peu. Jeudi, vendredi sur du Holycube, samedi Astroterre, en compagnie de Mimich, on continuera à bosser sur les activateurs, donc des éléments qui peuvent déclencher des événements dans le jeu, ça va être très sympa, très intéressant. Et dimanche à nouveau Holycube, donc une semaine qui, comme je le disais dans mon tweet hier, ne fait malheureusement que 7 jours. C'est trop peu, 7 streams dans la semaine. J'aimerais tellement vous streamer davantage, mais voilà, ça c'est pas possible. Mais on a tellement de choses à faire, voilà. Je pense que chez les gothiques, c'est commun à chaque membre, les voix multiples et personnalités. Moi, personnalité, moi je suis pas ça, moi. Qu'une seule voix, je vois pas de quoi vous parlez. Et bonsoir à toi, Fena. Je me trappe d'or, Nick. Hop.
Et salut Samduk, bienvenue à toi. Ça va, mais j'en ai marre de mettre des trappes au mauvais endroit. Et j'ai pas fini de le dire. Quoi? Il n'y a que 7 jours dans une semaine? Mais quelle honte! C'est qui a inventé ça? Quelques mots à lui dire. Alors, tout dépend de quel point de vue tu te places. Parce que si tu te places, par exemple, du point de vue d'un boulot assez peu attractif, peu rémunérateur, un peu ennuyeux peut-être, 7 jours, c'est bien largement suffisant. Certains te diront. Un poil essoufflé? Ah mince! C'est le moment de sortir la soundboard. Ah oui, tu veux dire honte à celui qui a inventé, tu veux dire ça. C'est vrai, j'y ai pas pensé. Du coup, ça perd un peu son effet spontané. L'effet comique est quand même raté, hein, il faut le dire. Il faut le dire. Ouais, voilà. Tu as été courir, Samuka, ah ouais. Ah mince. Bon, j'espère que tu as réussi à régler ces soucis et qu'ils n'étaient pas trop importants. Hop. Hey. Ouh là là, on a fini un quart. Et là, du coup, ce qui va se passer, c'est que pour le quart suivant, on tourne justement d'un quart de cercle, 90 degrés pour les intimes, et on pose les trappes orthogonalement perpendiculaires à celles qu'on avait déjà posées par la précédente. Moi, président, il y aura un lundi par semaine et 6 dimanches. Ah oui. oui. Bah, c'est pas si pire. Votez Gilmony. Alors, sens horaire ou anti-horaire, pour les Français ou pour les Anglais, hein, ça dépend si on parle du sens anglophone, anglo-saxon ou normalophone. Ça change tout. J'ai gold. Salut Barrère! Ah, Barrère, ça me fait plaisir que tu connaisses Airborne Kingdom. Et effectivement, il y a des aérodromes avec les avions qui font des loopings. Et la piste de l'aérodrome est très relevée comme ça. Et j'aimerais faire ça. J'ai prévu de le faire. Après, pour les espèces des petites aéroplanes, j'en ferai aussi certainement. J'aimerais bien en faire. Bon, dans Minecraft, on est un peu limité pour les loopings. Je sais pas trop comment je pourrais faire. Je sais pas si j'arriverai à faire des avions vraiment dans une. Enfin, faudrait que je fasse des avions qui soient dans une posture suffisamment dynamique pour suggérer le looping, mais ça va pas être simple. Ouais, je crois aussi, mais je crois, Mimich, qu'il change pour ça. Je dis peut-être une bêtise, hein, mais je crois qu'il change pour ça. Mais du coup, Barrère, est-ce que tu connais bien le jeu, toi, Airborne Kingdom? Parce que moi, je le connais simplement parce que j'ai vu deux ou trois vidéos dessus, et j'ai vu des concepts art du jeu, mais je ne l'ai pas, j'y ai pas joué. Et c'est le Grébille! Ah, excellente idée, Gilloumani. Excellente idée de faire un petit avion tordu et de faire la fumée en looping. Ah, très très bonne idée. Excellente idée même. Ouais, tout à fait. Ah oui. Oui, c'était la chute. C'était le tru. On va remonter. Je connais pas beaucoup, j'ai aussi vu que des vidéos. D'accord, ok. Mais moi le style de Airborne Kingdom m'a vraiment beaucoup plu, le style graphique.
Et du coup, c'est vrai que quand j'ai cherché une idée pour la saison 6, le steampunk m'est venu à l'esprit. Et je voulais. Après, j'ai cherché une source d'inspiration steampunk, on va dire, un peu originale par rapport à ce que moi j'avais déjà vu en fait. Et du coup, ce côté orientalisant, moyen-orientalisant, et très volant m'a beaucoup plu en fait. Donc, c'est ça que je suis parti là-dessus. Bonne idée, Gilman, une augmentation. Je peux multiplier ton salaire par 1000 si tu veux. Sachant qu'il est de 0 euros, je peux le multiplier même par 10 000. Comment ça? On me souffle dans une oreillette que tu demandes plus. Comment ça? Beaucoup plus, ok. Et bah, allez, je le multiplie par 100 000. Oui, alors je précise le salaire que moi je te paye, c'est-à-dire pour l'instant zéro. Hein, voilà. Je précise, hein, soyons clairs. J'ai pas dit que je multipliais ton salaire actuel, hein, celui que tu gagnes par d'autres moyens que les subsides que je peux t'envoyer puisque je ne t'envoie rien. Hop. En programmation, zéro n'est pas toujours zéro. C'est un peu comme l'énergie du vide quantique, quoi. C'est zéro sans être zéro, quoi. Oui, mais moi je vais pas prendre de risque. Je vais prendre le zéro au sens naturel et zéro au sien du zéro, hein. Il y a parfois une valeur très faible après la virgule. Oui, bah non. Là, c'est même pas le cas. Et merci Zuko pour ton follow, bienvenue à toi. C'est moi ou il pleut? C'est moi ou ça va être la nuit là? Et on va aller dormir, comme ça fera passer et la pluie, et la nuit, et les fantômes. Et c'est parti! Il pleut sur l'équipe, je suis encore étonné. Bah dans l'End, il pleuvait pas tant que ça, hein. Pareil, j'avais pas beaucoup de fantômes. L'énergie du vide, c'est une belle définition pour son travail. Et je sais pas si ça lui ferait plaisir, mais. Salut, station! T'as raté quoi? Beaucoup de trappes. Mais ça tombe bien, il en reste pas mal encore. J'ai réparé les bêtises d'Aipierre au fait. J'ai rewaxé. Enfin, j'ai nettoyé et j'ai rewaxé. Des escaliers qui avaient été salis par Aipierre. Ah.
Ah, bonne remarque, les jumelles. Après, ici, il n'y a pas besoin de passer aspirateur. Toutes les poussières, elles tombent à travers. C'est ça qui est pratique. Puis elles sont emportées par le vent. Emportées par le vent. Oui, j'avais pas la suite. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. Ah oui, c'est vrai qu'on peut perdre ses clés aussi. Ouais, c'est vrai. Aïe. Puis on peut aussi chuter, tu vois, dans les trous. Pas que ses clés, quoi. On peut perdre aussi ses genoux. Ses jambes, etc. On peut perdre un Warren. Oh, peut-être pas jusque là quand même. Mais c'est de pas mûrir. Captain, j'ai perdu les clés de la station, nous allons nous écraser. Allez. Le niveau de sécurité, je sais pas c'est qui l'architecte, mais ça va pas être je vois pas de quoi tu parles. En fait, il faut allier sécurité mais légèreté. Donc, il y a des compromis à faire, c'est tout. Tout est affaire de compromis. Après, on peut imaginer aussi que les habitants, ils se baladent toujours avec un fil d'Ariane. Ouais, ils ont toujours un mousqueton, une petite cordelette et ils s'accrochent un peu partout où ils passent, quoi. C'est possible. Non, je devrais laisser une empreinte, genre une trace, comme si le mec il avait mal piloté et puis la cité l'avait raclé sur le sol. Il y a beaucoup d'énergie dans ton environnement, dans les parois de ton truc qui contient du vide. Le vide, lui, n'a pas d'énergie. En fait, de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est plus du vide. À partir du moment où... Oh putain, mais non. À partir du moment où on aspire quelque chose, c'est plus vide.
Le vide de certains arguments politiques où je dis que la vitesse a produit de l'énergie. Là là. Mais tout est question de ventilation en fait. On en revient à l'aspirateur, hein. C'est qu'il y en a qui brassent beaucoup d'air quoi. Voilà, exactement, oui, on est sur la même longueur d'onde. Oh! Trois trappes mal posées, quoi, c'est... 4! Oh là là! Oh là là! 5! Pouf! Ouh, j'ai failli tomber. 7 game J, 2 trappes. C'est un gros poc, ça. Tu peux, Jimlani, tu peux. Ouais, je choisirais de te répondre ou pas. Mais tu peux toujours poser la question. Chaque masse a une attraction plus ou moins grande, les plus grandes entraînent les plus petites et ainsi de suite. Ouais. Les grandes masses déforment plus l'espace-temps. Pour toi, ce qu'a dit Monsieur Zemmour, est-ce que tu l'as trouvé choquant sur les enfants handicapés? Je parle bien de ce truc-là précis, pas du reste de sa politique. Faudrait que je sache plus précisément ce qu'il a dit. Parce que j'en ai entendu parler un tout petit peu. Mais franchement, c'était des propos rapportés. Donc... Mais... Au-delà de ce qu'il a dit... Hop. J'aurais pas loupé un secteur vu la cam. Oui, bah c'est un gros trou, c'est tout. C'est pour voir si vous suivez. En fait, par rapport à Zemmour, j'ai même pas envie de réfléchir sur ce qu'il a dit parce que on avait déjà eu l'occasion de parler de l'extrême droite sur cette chaîne. C'est quelque chose que je condamne très très largement. Je n'apprécie absolument pas l'extrême droite. Et donc, en fait, je m'en fiche de savoir si au milieu de tas de propos ignobles et mensongers ou qui ne m'intéressent pas, je m'en fiche de savoir s'il y en a un petit bout qui pourrait contenir un semblant de vérité, en fait. Moi, je pense qu'il faut considérer l'ensemble du programme, l'ensemble du bonhomme, et ça ne m'intéresse mais absolument pas. On peut rajouter la situation sanitaire. Ah oui. Salut Otaria Skip. Et
Et merci The Counters pour ton raid, bienvenue à toi. Et à tes viewers. Bonsoir. C'est quoi ça, c'est du... C'est quoi? Ah, c'est un cœur de fromage quoi, trop bien. Ma chérie, elle a acheté un petit crottin de chèvre. Il est très bon. Du coup, on l'a acheté hier, mais alors on va lui casser la binette à ce petit crottin de chèvre là, je vous le dis. Si je m'écoutais, il est déjà entièrement consommé. Il est très bon. Crottin de chèvre frais là. C'est bien le fromage. Ouais. D'accord, Gilmani. Ah bref. Je vais généraliser à d'autres propos que peuvent tenir les hommes et les femmes politiques. Hein. C'est difficile d'être audible en période électorale. C'est très facile d'avoir ses propos déformés dans un sens comme dans un autre. Et une petite maladresse est vite arrivée. Après, je ne pense absolument pas que tout ce que font les hommes politiques ou les femmes politiques sont des maladresses. Je pense qu'il y a énormément de leurs propos qui sont calculés pour paraître pour étant des maladresses, pour occuper l'espace public simplement. On parle de moi, on répète mes propos, on les déforme, après je peux me mettre en mode victime. Mais non, je vous m'avais mal compris. Et puis comme ça, du coup, ceux qui veulent se rassurer sur le bonhomme ou sur la bonne femme, ils se disent non, mais il a été mal compris, c'est pas ce qu'il pensait. Et puis ceux qui ont entendu ce qu'ils voulaient entendre et pris au pied de la lettre ce qui avait été dit la première fois, ils disent non, mais il le pense, hein, il dit tout bas ce que, il dit tout fort ce que les gens pensent tout bas. En fait. Voilà, bref. Donc, pour moi, ça n'a que peu d'intérêt. C'est le Blaze. Une fondue suisse. Comme la vraie fondue, quoi. Oh. Ça, c'est polémique. Ça, c'est du clash facile. Hein, hein Gréby, t'as pas honte. C'est la première fois qu'on me voit avec un inventaire si bien rangé. Eh, d'où vient ta pointe qui sait attendre? Mais je vous trouve quand même mauvais en angle. Inventaire rangé, ça mériterait bien un chat en emote, ça. Merci, Louis. Allez-y, faites péter vos emotes pour fêter cet inventaire que pas si bien rangé que ça. Hein. Mais on va dire que oui. Hein. Parce que vous êtes de mauvaise foi et puis c'est tout. Allez, c'est la bamboche dans le chat. Faites péter les emotes. Ah, les belles émotes qui explosent de partout.
Alors moi je suis petit joueur quand même sur l'explosion d'Imode parce que c'est réservé à un petit coin en fait. Alors que quand c'est chez Lucide, quand il y a des Imodes qui explosent de partout, il y a tout l'écran qui... Limite le streamer est renversé par les Imodes quoi. C'est... Ça explose de partout. Ah, j'aime bien le c'est non de Mimiche. Wop, 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 Mickaël. Est-il possible, si on s'y prend au début du commencement d'un chat en emote, est-il possible de balancer toutes les emotes que vous avez? Je suis pas sûr. Il y en a tellement. Oula, Louis, ça n'a pas marché. Ah non. Ah non. Ah là là, ce fail. Ah. Ah, ce fail, Louis. Ça n'a pas fonctionné. Merci, Coquelicot trompettiste. Attention, c'est la fin du chat en emote. C'est non. Et coucou, Yvan du rêve. T'as failli vendre des emotes, hein? Aïe aïe aïe, illustration, attention, tu vas te faire. Voilà, 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 voilà. Ah, ça devait arriver. Ça devait arriver. Carrément banni. Alors là, Vimich. Ah, c'était. C'était un peu fort quand même. C'était quand même un peu fort, Vimich, là. Ouh là 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 là. Merci pour le follow, on n'est pas là. Ouais. Mimiche, il avait le doigt sur la souris là qui tremblotait là. Il attendait que ça, quoi. Le ban est levé. Ouais. Mais le mal est fait. Es-tu toujours là, Lustation? Ah là là. Se faire bannir comme ça. Être marqué d'une tache indélébile, une cicatrice au plus profond de son âme pour les restes du temps. Ah là là, je pense que Mimi, je vais devoir aller se flageller pour ça. Tu es de retour, Lustation. Ah là là, heureusement. J'espère que tu ne tiendras pas rigueur à Mimiche pour ce manque de discernement et de. Ce manque de modération, je crois presque. Quelle sévérité, mais oui. Quelle intransigeance. Pas facile à dire, ça. Ah, sur téléphone, on n'a pas accès aux emotes de followers. Mince. Ah, dommage, oui. Je savais pas. Les doigts qui tremblent, c'est un symptôme du manque. Elle est en manque de ban, hein, c'est ça. Les icônes sont trop petites. C'est facile à dire. Ah non. Bon, sinon, est-ce que vous avez vu, tiens, tant qu'on parle. Ça va, je vais laisser une chance. Est-ce que vous avez vu la rumeur, les informations qui ont été dévoilées et ensuite retirées sur l'éventuelle salarisation des meilleurs streamers, enfin des meilleurs, des plus gros streamers Twitch? Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Est-ce que vous voulez que je détaille les informations que j'ai lues? Je ne suis absolument pas dans les petits papiers de Twitch, hein, j'ai lu un article dessus. D'ailleurs, je ne suis pas concerné. Trop bien. Pas vu. C'est possible ça. Bah oui, c'est vrai, Mimiche, mais c'est. En fait, t'as eu une piqûre de rappel en début de stream et ça t'a donné un shoot et là, t'avais envie d'un deuxième shoot. Alors. Ah, vous voulez les détails? Oh là là, vous avez pas vu. Oh. Alors, il y aurait eu une sorte de ballon d'essai lancé par Twitch, mais immédiatement retiré. Mais évidemment, ça a été récupéré par certains et refuité après. Donc, ça serait des sources à peu près
fiable, à peu près, mais ça porte sur quelque chose qui est complètement hypothétique. En fait, il semblerait que Twitch envisage de proposer à certains streamers, donc on imagine des gros streamers, ça par contre ça n'a pas été révélé, on ne sait pas quelle sera la taille de la communauté à atteindre, mais de proposer à certains streamers un revenu fixe en échange d'un contrat hein, avec une durée minimale de 40 heures de stream par mois et de passer des pubs. Et donc en fait, si on passe, je crois que c'est 2 minutes de pub, c'était 800$ par mois. Et si on passait genre le double, 4 minutes de pub par heure, 4 minutes de pub par heure, c'était 1000$, un truc comme ça. Alors j'ai pas retenu les chiffres par cœur, mais c'était, regardez, 4 minutes de pub, 1000$, je crois que c'était à peu près le deal. Bon, il n'y avait aucune information sur la taille de la communauté, il n'y avait aucune information sur est-ce qu'il y aura des contraintes d'un nombre minimum de viewers à un instant T, mais c'était... Alps en a parlé aussi, d'accord. Alors, ça c'est pareil, Grévy. Est-ce que c'est un contrat qui fait que tu renonces à tes revenus sub? Je ne sais pas. Parce que si c'est le cas, je pense que Twitch va beaucoup y perdre parce que ça va briser la dynamique du sub. Les streamers n'auront aucun intérêt à encourager les subs s'ils ne touchent pas une petite part dessus. C'est ridicule pour les grosses chaînes, 1000$. Si, si, il y avait, Mickaël, 40 heures de stream par mois. Après, je ne vois pas, enfin, ils peuvent ouvrir ça aux partenaires, mais vous imaginez, c'est très, ça dépend la taille de la communauté, mais 1000$ par mois, c'est énorme, pour 40 heures de stream, c'est rien du tout. Oui, c'est ridicule pour les grosses chaînes, mais vous imaginez pour quelqu'un comme Sartar, comme Boîte à Meux, qui sont des partenaires, mais qui sont des petits partenaires. Parce que je ne pense pas, je ne sais pas dans les comptes de Sartar ou de Boîte à Meux, mais ils ne se dégagent pas un salaire de 1000$. Hein. Je ne pense pas. Et par contre, ils stream bien plus que 40 heures. Donc je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise situation, mais en tout cas, ça serait un modèle économique complètement différent. Donc il y a peut-être des choses qui sont à l'étude du côté de chez Twitch, y a, voilà, à moins que ce soit une rumeur complètement infondée. Mais après, je vois pas trop quel est l'intérêt de Twitch. Parce qu'actuellement, ils peuvent avoir des streamers qui se tuent à la tâche pour essayer de fidéliser leur communauté, donc essayer d'avoir de plus en plus de subs, etc., ce qui rapporte beaucoup à Twitch. Alors que s'ils proposent à leurs streamers un salaire fixe, alors juste pour de la pub, mais franchement, la pub, est-ce que ça rapporterait autant à Twitch que les subs? Je suis pas sûr. J'en sais rien. Et donc l'offre a été rétractée. Ah, l'offre n'a pas été faite en fait. Il y avait eu un semblant d'annonce, mais qui était peut-être une erreur, ou je sais pas. En tout cas, les messages qui concernaient cette éventuelle annonce ont été retirés. Ouais, je sais pas au niveau de la globalisation. Là, on avait les montants en dollars. Hein. Pour fidéliser un streamer qui a déjà une grosse communauté, je sais pas. Ouais. Ouais, si c'est en plus des subs, alors là, oui. Oui. Après, est-ce que c'est pour encourager les gens à passer plus de pubs parce qu'ils veulent grossir en termes de plateforme publicitaire? Je sais pas. Parce que moi, par exemple, je pense que les gens qui arrivent sur mon stream et qui ne sont pas subs, je pense que vous avez des pubs. Par contre, donc ça, je peux pas l'en empêcher, hein. Je peux pas l'empêcher, je crois que c'est Twitch, ça c'est... Voilà. Mais par contre, moi je diffuse jamais de pub en fait, manuellement.
Et Twitch pourtant m'y encourage, c'est-à-dire que parmi les boutons que j'ai sur mon dashboard qui me permet de gérer mon stream, un des premiers boutons qui est apparu, qui est mis en avant, etc., il y a toute une catégorie pour ça, c'est des boutons pour passer des spots de pub. Que je n'utilise pas, je ne vous fais pas passer de la pub. Parmi les... vous savez les petites actions que vous avez pour les points de chaîne. Parmi les actions qu'on retrouve souvent chez les streamers, parce que c'est des actions qui sont proposées de base quand tu crées tes actions par Twitch, c'est passe une pub. Donc en fait, on peut encourager les viewers à utiliser des points de chaîne pour proposer aux streamers de passer de la pub. Donc dans le but de rémunérer le streamer, mais c'est quand même une incitation globale du système et de Twitch à passer des pubs. Donc est-ce qu'ils ont envie de faire grossir leur capacité à diffuser de la pub et que du coup ils veulent inciter encore plus les streamers à streamer plus de pubs par heure, je sais pas. Bah envoyer une pub, c'est qui évite justement les pubs à l'arrivée sur le stream. C'est vrai. C'est vrai, Mimich. Je peux lancer une pub et du coup, pendant genre 10 minutes, les gens qui arrivent sur le stream n'ont pas de pub. Ah, si là, Sam, il a mis 40 ou 50k points, je crois. Ok. Alors moi, je l'ai pas mis. Après... Et oui, Dimit Joy, bah depuis samedi, je sais pas à quel moment t'étais passé samedi, mais là on est en train de finir. Par contre j'ai bien fait de pas finir samedi, hein, parce que là ça fait à peu près 50 minutes qu'on est en stream dessus, allez un peu moins, mais clairement là, on n'a pas tout à fait fini, même si on approche de la fin. Mais ouais, on va dire, on va mettre une bonne heure à finir. J'ai bien fait samedi à 1h du mat de pas continuer le stream pour encore 1h, hein. C'était la folie, c'était pas raisonnable. Et ben voilà, on a fini cette couche. Tac. Alors maintenant, là on s'amuse. On a des petites choses à virer. Hop. Non, tu peux. Ah ouais. Et là, c'est le drame. Comment on va, flûte. Donc là, le mieux, ça va être de mettre, je pense, une couche de bouse. Attendez. Comment on va faire là? Ouais. GG big fail. Je crois que Twitch est une entreprise sociale qui veut lutter contre la paupérisation des streamers. Bonne nuit, MNVS. Bonne nuit à toi. Merci beaucoup. Et merci Dorian pour ton follow. Bienvenue à toi sur la chaîne. Tu poses, tu débustiques ensuite. Bon, je vais galérer avec le debug stick. Bon, je pense que je vais mettre de la bouse et puis je vais m'appuyer dessus pour poser les trappes et puis je virerai la bouse après. Je pense que ça ira. Je sais pas, ça ira plus vite, mais ce sera peut-être moins pénible. Et voilà, quelqu'un critiquait tout à l'heure la sécurité de cet agencement. Mais c'était voilà, c'était avant que je mette ces magnifiques barrières. N'est-il pas? Eh, hey, boîte la bouse, il connaît bien sûr.
Et après, on a un beacon à les reposer, là. C'est, ça devient une arlésienne, ce beacon. Ah là là, il me reste que 6 barrières. Ah, il m'en manque une. Ah là là. Boîte à bouse. Les barrières sont-elles clé-proof? Clé-proof? Clé-proof. Non mais ne m'en parle pas de ces petits golems qui me manquent tellement. Hop. Mais non, pourquoi je les repose? J'en ai besoin en fait. Ah par contre, Allô? je suis... Allô? 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 Bon. J'ai eu le terme bouse. J'ai pas compris. J'ai ton stream mute à côté. Ça va? Mais oui, et toi, comment ça va? Ça va. Ça va bien. Bon alors, pas trop longue ta journée? Alors, je t'avouerai que j'étais assez crevé. J'ai voulu tenter de faire un épisode. L'épisode, je l'ai. J'arrivais pas à articuler. Je bafouillais. Du coup, je l'ai pas sorti cette vidéo. J'étais très déçu. Et du coup, je suis parti me coucher. Je crois que j'avais besoin de sommeil. Ah oui. Et du coup, là, tu t'es réveillé en fait? Ah non, je suis réveillé depuis 2 heures. Ça fait 2 heures que je suis réveillé. D'accord, mais du coup, tu vas avoir du mal à te coucher ce soir, c'est ça le problème. Bah, j'ai fait une sieste, quoi. Yep, ouais, mais une sieste de combien de temps, attention? Une heure et demie. Ah, c'est une grosse sieste, quand même. Une grosse sieste, ouais, parce que j'en avais besoin. Mais oui. J'ai laissé mon corps dormir. Puis... Hop. Ah, toujours compliqué. Bon, t'as encore fait des trucs de folie sur le créatif. Alors, j'ai passé 20 minutes à faire un petit terra et il a bien plu. Donc, pas le terrasse, c'est rapide, hein, ça décommande. Ça va vite, mais je suis content. Je suis content parce que l'idée est validée. Voilà. Donc, ouais, on aura l'occasion de faire ça avec. Alps. Il m'a dit faut que je fasse le squelette et puis après on fera du remplissage, mais je vois pas du tout comment il veut faire ça. No sait. Je sais pas non plus. Je vais déjà faire les niveaux, je pense. Je reviendrai sur les niveaux. Les niveaux de. Les paliers, parce que c'est des cascades en paliers. Je devais peut-être pas le dire parce que le chat est au courant maintenant. Ah, et puis ils vont le répéter, hein, évidemment. Ah, ils vont le répéter. Bonjour le chat d'ailleurs. Oh là là. Ouais, alors... ouais, petit terraforming là, ça va être génial. Ça se trouve être énorme. Oui, juste comme ça, oui. Bon, ça va, tu construis bien? Oui. Tu t'occupes bien? J'ai fini quasiment mon schématique avec la base les échafaudages. Yes. Du coup, demain soir, pendant mon stream... Tu seras en stream en plus demain soir, toi? Complètement. Bon. Eh bien, pendant mon stream montage, je commencerai à réfléchir un petit peu aux matériaux pour... je vais y arriver, pour le dessus en fait. Enfin, dessus, tu sais les bâtiments que j'ai faits. Ouais, voilà. Ouais. Donc c'est terracotta, non, concrete plus. Bah je vais voir, parce que en vrai, il faut que je vois si j'arrive à marier les deux en fait. Mm. En termes de Ça va, ça passe. En termes d'intensité, c'est vrai que le béton est plus lumineux, donc à voir si j'arrive quand même à le marier avec de la terracotta, mais je pense, peut-être sur... faut voir. Ça fera partie des tests de demain. De l'obsidienne pour la légèreté. Pas la même définition de la légèreté. Le troll. Bravo. Hop.
Bon, qu'est-ce que je fais moi? Ah, parce que j'ai du boulot aussi. Voilà, je crois que je vais péter ça. On va lui péter la rondelle. Hop. Pardon. Hop. Hop. Pap, 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 bip, bap, 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 bap. Ouf. Hello. Oula. Herlol. J'ai un peu tapé n'importe quoi. Herlol. C'est chouette. Cette salle va être chouette. Dis-lui où. Là, tu fais quoi là? Haha. Oh oh. Oh oh. Hihi. Alors, je vais te le dire, mais tu le répètes à personne. Hein. Je suis en train de rajouter une salle dans ma salle des coffres. Hein. Une salle ça de quoi? Trop beau. Bah, c'est une salle pour sortir en élytra plus facilement. C'est une ligne droite. Donc c'est pas vraiment voilà. Une salle, c'est un couloir. Alors. Ah, en fait, c'est censé être une ligne droite. En fait, c'est une salle qui est ouverte à un endroit. Et okay. En fait, en ouvrant à cet endroit-là, tu peux passer en élytra. Mais en fait, c'est pas un vrai couloir. Tu passes par une salle d'abord. Mm-hmm. C'est une piste de décollage. À peu près, ouais. Tu pourras rentrer dans mon trou, quand tu veux. Je sais pas si j'ai très envie. On dirait un anu. Dilaté, du coup. Trop de détails, pardon. Too much details. Oui. Hop. Ça se voit qu'il a fait la sieste, ouais. Comme ton fils. Ouais. Après sa sieste, il doit être bien. Oui, souvent. Oui. Complètement. Malade. Ouais, toujours beaucoup d'absents à cause du Covid. Ouais. J'étais à moins 5 aujourd'hui. Moins 5. Oh, yeah. Qui fait beaucoup quand même. Comme j'ai ouais, un petit. Une classe de 20, ouais. Voilà, comme j'ai un petit effectif cette année, ça fait un quart. Classe de 20. Oui, 20, c'est 20 que t'as. Hein. Ouais, ça fait un quart de mes élèves pas là. Et ça n'arrive jamais. Peut-être d'habitude, quand t'as deux. Allez, trois absents, c'est. C'est énorme. Enfin, c'est une journée où t'as beaucoup d'absents. Là, j'en ai 5 absents. Enfin. Du coup, moi, je finis cet étage-là. Ensuite, je vais payer le prismarine que j'ai commandé au nom des gothiques. Mmh. Je sais pas si t'as vu passer les messages. J'espère que. Oui, oui. Prismarine. On en consomme beaucoup. Donc, j'ai bien fait de dire à Épierre de. Nous en faire quelques shulkers. Il en faisait pour Mayuko. Ouais, ouais. Et du coup, Dark Prismarine aussi. Hein. Ouais. Ce sera bientôt, ce sera demain. Je sais pas. Ah, on en consomme du Dark Prismarine? Ah, bah là, en fait. Je sais pas. Ils vont en avoir besoin pour le toit. Ah. Le toit du château, cathédrale. D'ailleurs, tu as vu l'avancée? Ouais, le dôme de folie. Trop bien. Ça rend bien. Hein. Je suis trop, trop content. Ah, et alors, du coup, je le monte sur la map, mais ce dôme-là, ça me plaît parce que, bon, moi, le mien. Enfin, le mien. Les miens seront plus petits pour le temple de l'eau. Mais voilà, ouais. On aura un... J'avais prévu de partir aussi sur des dômes. Donc ça fera un rappel. Enfin, ça sera vraiment dans le thème. Ah, il était trop vite, lui. Tant que je... Ouh. Ouh, j'ai chu. Mais c'est pas grave. Parce que... Avec ces échafaudages, je suis en toute sécurité. Je suis content, ça rend bien quand t'es dessous là, sous le toit comme ça là. Les trappes. Ouais, ouais, l'ouverture, bah les toutes petites ouvertures. Ouais, et puis bon, même. Pas de shaders, mais ça doit être. Ouais, ouais, faudra que je teste avec les shaders. Ouais. Puis tu vois sur les côtés là, le treillis d'échafaudage là, c'est sympa aussi. Ça fait vraiment fouillis, mais tout en étant structuré quand même. Ouais. Ah, c'est fort. Hein. Après voilà, je me disais faut vraiment que je travaille sur le fait que cette partie s'intègre bien avec le dessus. Et sur le concept A, il y a quand même des endroits, même en hauteur, où on retrouve à certains
moments, ces petits échafaudages en fait. Des petits moments comme ça pour soutenir un engrenage géant ou pour soutenir une petite structure. On retrouve des échafaudages dans le même style. Donc il faudra que je pense à faire ça à certains endroits autour des gros bâtiments que j'ai simplement pour l'instant indiqués de manière très limitée. Mais il faudra que je mette des petites zones avec ces échafaudages. Ouais. Attends, j'arrive, je suis loin. Oui, j'entends. Ah. Alors... Il se passe des choses dans la vie de boîte à meux, c'est fou. Oui, j'étais en train de récupérer mon téléphone qui était à recharger. Assez loin. Et tu lui parles comme ça à ton téléphone? Alors, ouais, il me répond des fois, il fait... Ah, qu'est-ce qu'il faut pas dire? Non, ça dit quoi l'ombre en bas du coup? Ça dit que pour l'instant il y en a un peu de l'ombre, hein. Mais qu'on a limité les dégâts quand même. Il n'y a pas trop d'ombre, vous voyez, ça spawn un peu quand même en dessous. Mais il n'y a pas trop d'ombre. Non mais tu sais, j'ai percé des trous dans la structure pour luminosifier tout ça. Oui. Mais ça sera chaud à maintenir avec ce que je vais construire au-dessus, mais on verra. Pour que ça fasse pas trop ombragé en dessous, quoi. Après, avec des shaders, ça passe sans problème. Punaise, j'ai plus le mot de passe. Bordel de bon sang de mon souhait. Le mot de passe de ton téléphone? Non, c'est pas ça. Non, il me faut une facture et j'ai plus mon mot de passe pour me connecter pour récupérer cette dite farmure. Farmure. Une farmure, c'est nouveau ça. C'est pas mal. Votre mot de passe est incorrect. Merci, je le sais. C'est rouge, c'est que c'est incorrect. Je sais plus. Tiens, t'as vu passer le truc sur la rémunération potentielle des streamers par Twitch? Oui. Donc on parlait bien de 40 heures de stream par mois et 4 minutes de pub pour 1000$. Alors j'ai entrevu, c'est pas que j'ai vu en fait, j'ai entendu. Donc, j'ai pas vu la news. Ouh, j'ai failli crever. On va lire les gènes. Oh, ah oui, tu... Oui, vous avez beaucoup quand même. Mais ça fait énorme par rapport aux revenus mais classiques des streamers, quoi. Ouais. Et après, à quelles conditions ils vont faire ça? C'est vrai que... à quelles conditions? C'est un peu abusé, mais bon. Pourquoi? Si ça peut encourager les gens à s'abonner, pourquoi pas, mais... Pourquoi? De quoi? En fait, pourquoi tu dis que c'est un peu abusé de ton point de vue? Je me dis que ça fait beaucoup pour ceux qui veulent du contenu gratuit. Ah, attends, je comprends pas, parce que ça serait... Payer. Ah, parce que les gens devraient payer? Non, mais s'ils sont follow, s'ils sont abonnés, ils payent pas. Ils regardent, il n'y a pas de pub. Ça va fonctionner comme ça. Hein. Comme quand toi, tu lances une pub toi-même, oui, manuellement. Oui, mais ça fait 4 minutes de pub par heure. C'est pas énorme. 4 minutes de pub par heure, tous les quarts d'heure, hein. Une pub. Ouais. 14 minutes de stream, 1 minute de pub. 14 minutes de stream, beaucoup quand même. Il se passe rien en 14 minutes en plus. C'est vrai. Ah oui, tu crois que ça va inciter les gens à sub? Ah, parce qu'en fait, je voyais pas l'intérêt de Twitch. Tu penses que ça va inciter les gens à sub? Ouais, mais bon... Pour avoir moins de pubs. Oui, pour pas avoir les pubs. Du coup, je sais pas comment ça fonctionne. Je sais pas comment ça fonctionne. Intéressant. Bon, il me fait quoi le bazar, là? Ah, c'est bon. Je me suis connecté avec... Avec le mot de passe 1, 2, 3, 4, hein, comme on avait dit. Exactement, ouais. 1, 2, 3, 4, c'est le meilleur des mots de passe. Très sécurisé en plus. Personne n'y pense. Tout le monde dit que c'est pas bien, donc finalement... Mais il faut mettre une lettre en majuscule. A, B, C, D, en fait. A, B, C, D, c'est très bien, A, B, C, D. Ouais. Facture. Oh là là, grosse facture. Alors si c'est une facture à payer, ça c'est moins cool, par contre. T'aurais pas dû retrouver ton mot de passe.
J'aurais préféré ne pas. Oui, j'aurais préféré l'oublier. Mais non, c'est pas ça, non. Faut que. C'est toi qui dois déclarer une facture. Non, parce qu'il me faut une facture pour demain. En fait. Pour demain. Une attestation. Comme quoi attestation tu factures domicile. Quoi Attestation domicile, blablabla. Par la présence, c'est NJ. Ouais. Atteste que qu'on date du machin. Boîte à meux habite à cet endroit. Exactement. Voilà, du coup, j'ai mon attestation. Bah et... voilà, bah nickel. Et bah voilà. Et du coup, est-ce que ça a un lien avec ta création d'entreprise? Tout à fait. Ah, nice. Rendez-vous. D'où le fait que je stream demain soir. Yep. Je m'en suis le douté. Matin et le soir. Ouais. Ah, mais c'est cool que les choses avancent. Et question à laquelle tu n'es pas obligé de répondre. Tu as rendez-vous avec qui, quoi? Avec ton banquier, avec Pôle emploi, avec... Bah, je vais demander si... parce qu'il faudrait, je pense, que j'ouvre un compte pro. Un compte pro. Si c'est pas un compte pro, c'est un compte où je vais mettre l'argent, quoi. Oui. Oui, séparé de tes comptes perso. Ouais. Donc je vais voir, je vais demander comment ça se passe. Mm-hmm. Puis après, par rapport à mes droits que j'ai actuellement, comment ça se passe. Parce que là, je touche du RSA, tu vois. Mm-hmm. Donc savoir si... donc là, je vais pas le retoucher. Peut-être, bah, je sais pas, ça va peut-être être reconduit sur X nombre de mois. Et puis, après, je vais plus l'avoir. Après, je sais pas si, si jamais... si j'ai le droit à la prime d'activité, si je sais pas, mon... la CAF pour le... mince, pour le logement, là. Les APL. Ouais, les APL, je sais pas c'est comment ça va se passer aussi. Bah, tout ouais. Oui, oui, très bonne interrogation. Ces choses liées à l'argent. Pôle emploi aussi, savoir quel statut je suis, si je suis encore en tant que demandeur d'emploi ou pas. Bah non, mais... c'est tous les mois, je dois m'actualiser. Mmh. Donc, faut dire que tu es en recherche. Donc, voilà. Ouais, ouais. Non, mais très, très important, quoi. Ouais. Mais en tout cas, je suis content pour toi que tu puisses avancer dans ton projet de streamer et que ça aille dans le bon sens. Ouais. Ah, Brigitte propose de te passer son IBAN si tu as besoin d'un compte. Ouais, j'ai vu. Ouais, mais déjà, tu me donnes de l'argent. Je te donne de l'argent. Et je te donne de l'argent. Ça veut rien dire. Si. Mais tu me donnes plus. Parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Non, c'est nul en fait. Vous faites une pyramide de Ponzi, mais à deux, ça marche pas terrible. Il y en a qui ont essayé. J'ai pas la ref, c'est quoi une pyramide de Ponzi? En fait, c'est un système économique à l'origine d'énormément d'arnaques. Ah, mais oui, j'ai vu, oui. En fait, et pour autant, ça peut paraître très rationnel, et c'est pour ça que l'arnaque fonctionne très très bien. C'est même à la base de certains systèmes économiques tout à fait légaux, comme par exemple les Tupperware ou d'autres trucs. C'est qu'en fait, tu, par exemple, comment ça peut marcher facilement? Par exemple, tu me donnes 5 euros, et ensuite, en me donnant 5 euros, tu obtiens le droit de demander à 3 personnes qu'elles te donnent 5 euros. Du coup, tu te dis, bon, bah, je vais le faire, ça me coûte 5 euros, et il y a 3 personnes qui vont me donner ensuite 5 euros chacune. Donc, ouais. Du coup, je vais récupérer 10 euros dans l'affaire. Donc, tu le fais. Et ouais. Donc, à chaque personne à qui tu envoies le message, bah, tu me donnes 5 euros et toi, tu as le droit d'envoyer à 3 personnes, chaque personne ouais. Se dit, bah, ça va marcher en fait. Et alors en plus, si tu imagines que sur toutes les personnes qui sont descendantes de ton appel, tu récupères une petite part, tu vois, genre tu récupères 1 euro sur les 5 euros que ton filleul va donner à machin, tu te dis, oh là là, mais je peux gagner vraiment beaucoup d'argent très très vite en fait. Il suffit que les gens payent et en plus tout le monde gagne. Puisqu'il suffit que eux aussi se mettent dans la chaîne. Ouais. Sauf qu'avec un tel système, très très vite, tu te retrouves à avoir besoin d'une population supérieure à la population humaine sur Terre. Et finalement, tous ceux qui sont au sommet de la chaîne peuvent dégager des revenus. Par contre, ceux qui sont plus bas, bah, ils peuvent pas.
Ils se contentent juste de payer et puis ils reçoivent jamais d'argent. Donc c'est une arnaque. Donc là je te l'ai fait en version très simplifiée et tu flaires l'arnaque tout de suite. Ouais. Mais quand t'es dans des systèmes un petit peu plus élaborés, c'est parfois plus difficile de voir. Et je parlais des tupperware. Les tupperware c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait on te dit ouais, tu vas vendre des produits, il suffit que tu les vendes et tu te fais une marge et c'est bingo pour toi quoi. Sauf que du coup tu dois refiler une partie de ton revenu à quelqu'un d'autre de la chaîne qui est plus haut que toi en fait, qui est ton parrain quoi. Et de fil en aiguille, bah, c'est un peu ça. Alors, bien sûr, il y a des contrôles, etc. Ça a une limite. Donc, tu peux voir, c'est ouais. Tout à fait légal. Mais il y a des entreprises qui ont essayé de copier ce système en ne mettant pas de limite. Et qui sont devenus des systèmes pyramidaux comme ça, vraiment très, 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 très limite. Ouais. Oh. Quelque part, les sub-Twitch, c'est un peu ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes très nombreux à donner des subs pour une personne. Donc il y a un système vraiment pyramidal en fait. Et qui est-ce qui en prend le plus? C'est Twitch. Qui est au-dessus des streamers. Mais bon, c'est limité. Parce que le nombre d'intermédiaires est limité. Bon, vous savez quoi? On a fini. GG. Yes. Ça y est, on a la base. Ça veut dire que si on s'était mis au sol, il nous aurait fallu un stream pour aplatir une zone de cette taille et foutre le sol. Là, on a passé un mois pour construire la structure volante. Quoi. Très fort. Très fort. Mais la structure est sympa. Il faut le dire, la structure est sympa. Du coup, je vous propose même de... Bah, je vais couper le timelapse. Hop. Je vous propose même de mettre les shaders. Oh. Oh yeah. Oh yeah. Bon, moi, chez moi, les shaders, ils tournent à 30-40 FPS. Ouais. Torche bien le sol. Oui, torche. Et merci beaucoup pour les follow. On va torcher le sol. On va te foutre des torches. Oh oui. Comme jamais. Oh, Ginez, elle aime bien. Oh, elle aime bien qu'on la torche. Mais pourquoi cet accent? Je sais pas. C'est pas du tout. Ça me traverse comme ça. La torche te traverse. Oh. Ça doit faire mal. Bien chaud là. Oh. Oh, putain. Je me suis fait un petit chocolat chaud et c'était très bien. Ah, ça ouais. Faisait longtemps que j'en ai pas bu. Moi je suis au thé fruits rouges. Oh le thé. Le thé fruits rouges. Oh, je me ferais bien un thé. Oh. Tu me demandes. Ah, en plus c'est un thé qui est encore meilleur parce qu'il est dans la tasse Olicube. Ah oui, ça fait ressortir le goût. Tout à fait, il est bien meilleur. D'ailleurs, j'ai remarqué quand même que la tasse Olicube est légèrement plus grosse que la plupart de mes autres tasses. Ah, petite gourmandise. Mmh. Bon, allez, les shaders, là. 10 ans pour charger les shaders. Il a du mal, hein. C'est pas le PC qui a du mal. Je pense que moi, tu sais, j'utilise Optifine. Ça a toujours été long avec Optifine, les shaders. Alors que j'ai l'impression qu'avec ce que tu utilises, toi, c'est plus rapide. Ouais, moi, il est sur SSD, mon jeu. Ah, pas moi. Il est sur mon DD. DD. Dans mon DD. DD. Bon, qu'est-ce que je mets en sol, là? Comment je le bourre, ce sol? On va le bourrer. Mmh. Oh, c'est joli. C'est beau. C'est pas mal, hein? Ah, c'est très beau. Look at this! Le PC a du mal, ma cam a freeze. Ouais, mais ma cam, elle freeze aussi, même quand on change la langue sur Minecraft. Donc c'est Minecraft qui a un problème. De changer la langue, ça devrait pas... C'est beau, très beau, très très beau, j'aime beaucoup. Ah, c'est beau. Oh là là, la structure de haut là. Ah, c'est caviar, hein. C'est très beau. Merci. Et pas sali. C'est les complémentaires. Ouais. Ah, ils sont beaux, ils sont très beaux, ils sont très très beaux. Ah, les complémentaires quoi. Ah, ouais. Je suis content, t'as bien avancé, loulou, bravo. Je suis content. Merci. Oh là là.
Là, c'est sympa. Là. En fait, on voit que. Bon, là, ça sera pas comme ça à la fin parce que la structure sera pas aussi bien éclairée puisqu'il y aura des bâtiments au-dessus. Mais. Ouais. Ah, les petites Oh là ombres. là. J'adore. J'adore la réflexion de lumière là. Ah oui, les petites ombres. Encore là, on n'est pas. Le soleil n'est pas très très haut. Base de la base terminée. Ouais. Et du coup, si on se met Bah oui, là là. c'est le sol, hein, comme tu disais tout à l'heure. Techniquement, hein. Enfin, c'est beau. C'est beau. Ouais, non, Beau c'est pas travail. mal, c'est pas mal. Ouais, Pas mal moi, ce que qui. j'aime bien, c'est le côté vraiment léger de la structure tout en étant complexe, en fait. C'est vraiment ça que j'aime bien. Merci Peg. Bon bah voilà, cette partie-là de la base est finie. En même temps, on rajoutera peut-être plus tard des détails pour perdre le côté un peu trop symétrique. Mais on verra parce que de toute façon, comme je rajouterai des éléments à la base, peut-être qu'on perdra le côté symétrique rien qu'avec ce que je rajouterai sur les côtés. Et peut-être qu'il n'y aura pas besoin forcément de revenir sur cette zone-là. C'est chouette, hein. Et ce qui est bien avec les shaders, c'est qu'il y a moins le problème des chunks déchargés avec le Twikuru, comme il y a un brouillard un petit peu plus important. Oui. Ouais. Et puis quand on... Oh là là, c'est ça qui est bien avec les complémentaries, là, c'est que quand t'es dedans, rien que ça, c'est beau, avec les arbres en dessous et tout. C'est pas complexe, seulement la moitié des meules sont à l'envers. Ah oui, tiens, en fait, on n'a pas testé. On n'a pas Oh. testé si maintenant on Oh. pouvait changer les meules là, normalement Shuka. Ah, c'est un peu tard, hein. Merci Fouca. Oui, c'est ce que je lui ai dit hier. Mais Shuka, il a promis, Shuka, il a promis. Et rien que ça fait des vues sympas, je trouve. Attendez, on va se balader un peu avec. Donc moi là, quand je suis là comme ça, je suis à. Ouais, 60 FPS. 45, 50, voilà. Ça baisse un peu. Et puis si je regarde vers le sol, je suis à 38 FPS, quoi. Donc voilà, j'ai pas un PC suffisant pour faire tourner les shaders en permanence, mais. Oui, là, suffisant. Enfin, je pourrais, mais je préfère. Alors du coup, la Olive Wrench, tester. Sauf que là, il n'y a pas de meule. Là où je teste. Oui. Alors hop. Ah, et le chat veut profiter aussi de la vue. Oh, c'est chouette. Ah ouais, sympa. C'est sympa comme ça là. Donc, si on va un peu dans les échafaudages. Oh. Ah, j'aime bien. Ah. Ah, le L'impression. cachet que ça donne, les shaders. Ah ouais, tout à fait. C'est pour ça que j'aime bien le. Ça fait un peu bouquet final. T'as fini ta construction, une partie de la construction, et puis tu mets le shader et là ça sublime encore plus ton build. Ça j'aime bien. On se balade là avec les shaders, c'est vrai que c'est chouette. Il manque pas un cube au niveau des 4 piliers centraux. Un Il y cube? en a qui ont l'œil, Et quelque 4 chose. piliers centraux? Je vais aller voir. Alors attendez, on teste avec le ça. Est-ce que ça marche? Oh, ça Il est content, voilà, il est content. Attends. J'arrive pas à le. Ah oui. Attendez, j'arrive pas à le tourner, hein. J'arrive pas à le tourner. J'arrive à le faire pivoter, tourner sur lui-même, mais pas le faire le retourner. Ah. Merci Mipi. Vous voyez, je peux le faire tourner. Mais pas à retourner. Non, parce qu'en fait, pourquoi je peux pas?
J'ai que le facing. Comment ça marche sinon normalement? Ah, c'est peut-être un oubli. Hein. Ah non, parce qu'en fait. Tu sais, là, normalement, avec un clic gauche, tu changes d'option. Oui. Et bah là, gauche, j'ai rien. Clic gauche, j'ai que facing en fait. Ouais, bah non, c'est qu'il a oublié, sûrement. C'est à lui de mettre là. Parce que là, je peux tourner du coup. Mais j'ai que le facing. Et je peux pas faire de. Ouais, je suis obligé de faire un shift-click. Ok. Bon, bah. On lui dira. Bah, si je clique sur le dessus, ça fait rien. Bon, en tout cas, avec les shaders, vous êtes d'accord qu'on valide les échafaudages. Hein. On valide complètement. Ah ouais, j'avais pas regardé là quand on. On peut passer là. Ah, il y a une faille dans la sécurité. Il y a une faille dans la sécurité. Comment ça, il y a des trous? Alors, les 4 piliers sont trop. Ici, c'est normal hein, qu'il y ait des trous ici. Ça me permet de descendre facilement en fait. Donc, ah, il commence à faire nuit. Donc, il y avait un petit trou dans la sécurité. Ouais. Allez voir. Des petits trous, hein. Toujours des petits trous. Ouais. Granit, non. Cette couleur là, avec le coucher de soleil. Oh là là. Oh là 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 là, c'est shader. Au-dessus des chaînes, juste un cube. Merde. Faut pas oublier l'auto-jump dans la face. Non, il n'en faut pas. Ah, il va faire nuit. Nuit, ça va changer un peu, mais... Oh, les couleurs qu'on avait, là. Bon, c'est les shaders hein, qui font beaucoup. Alors, Oran, je confirme, il a oublié l'option face. Ok, et eh ben Mimi, je... Alors... Est-ce qu'il est là que je râle? Non. Faut que j'envoie un message aussi. Je vais lui envoyer un message. Ouais, tu peux lui rajouter dans la commande. Au pire, je lui envoie un message, mais c'est pour le bois. Les bûches de bois. Mmh. Les bûches de bois en bois. Pour l'écorce. Mais je sais pas si. Tu veux lui envoyer ou je lui envoie? Bah vas-y, envoie. Je vais lui envoyer aussi. Du J'ai pas envie de trop lui en demander. Hein. Non, mais tu lui dis juste qu'il a oublié la partie face pour le. Alors, attends, et salut Skift. Ouais. Donc, au-dessus des chaînes, juste un cube. Au-dessus des chaînes. Et elles sont là, les chaînes. Je vois pas trop où tu disais. Je vois pas, juste un cube au-dessus des chaînes. Sur les piliers de cuivre. Ah, ici il manque. Oh putain. Oh la vache. Ici il manque des chaînes. Et comment vous avez vu ça? Il manque pas des chaînes, il manque des barrières. Mais comment vous avez vu ça? C'est incroyable. Tu sais, des fois tu te dis, oh, je vais oublier un truc, personne va jamais le voir. Erreur. Les viewers voient tout. On appelle ça un flip, c'est ça? De quoi? Non, c'est pas un flip, c'est une rotation sur l'axe... Sur l'axe Y. C'est Y? Ah merde. Rotation... On a une rotation pour retourner. Sur l'axe vertical, tu précises comme ça. Oui. Ça sera plus... Calme. Profite. Bon. Demander s'il serait d'ajouter. Merci beaucoup Arcos pour l'avoir vu. Je ne l'avais point vu.
contre les bûches, faut que je fasse un test. On peut peut-être changer les bûches classiques, mais pas les wood. Oak log, t'as oak log et oak wood. Après, c'est pour ça que ça fait 2 ans que je parle de changer de PC pour pouvoir jouer dans de meilleures conditions, avec des shaders notamment, avec du 60 FPS pour les streams. Mais pour l'instant, hop, il n'y a pas d'autres demandes hein, tant que j'y suis. Bah, à part transformer les blocs de bouse en blocs de diams, non. Ouais, ça je l'ai déjà demandé, mais. Ouais, il y a réfléchir. Ah purée, le lever de soleil! Oh là 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 là! Corse. Ouais, une fois, tu as quitté le stream sans voir que tu avais oublié un bloc, j'ai mal dormi. Non, mais. Ouais, il y avait autre chose. Ah, le soleil. Ah, c'est beau. Ah, c'est beau. Je apparemment pelé. Ouais. Regardez-moi cette vue. J'avais aussi montré un bug. Je sais pas si c'est bleu. Je dis allô au doigt, désolé. Pas de soucis. Moi, je regarde. Je regarde la base. Elle est belle. Elle est belle. Et pour l'instant, c'est que le début. Hein. C'est que le début. Puis quand il y aura plein d'autres structures comme ça, ça va être sympa. Celui-ci disparaît. Celui-ci disparaît. Alors techniquement j'ai pas tout à fait fini parce qu'il manque un petit bout là derrière, faudrait qu'on le fasse. Ouais, faudrait qu'on le fasse ça. Je vais enlever les shaders et puis on va rajouter ce qui manque en bas. Et salut Darkbane. Alors j'ai changé de PC il y a peu, ça change une vie, tout est plus rapide, même mon SSD où il y a des jeux les plus rapides avec le nouveau PC. Après mon PC il franchement... je sais pas quel âge il a, j'arrive plus à savoir quand est-ce que je l'ai changé. Il est plus vieux que mon fils, ça c'est sûr. Donc il a peut-être 5 ans. 4-5 ans, 5 ans je pense. Et ça va en vrai, hein. J'ai pas à m'en plaindre. Hein. Il est rapide, quand je fais de la bureautique, j'ai aucun souci. Je peux jouer à quand même pas mal de jeux récents. Hein. Là, en 2021... J'ai pu jouer à des jeux qui venaient de sortir, alors pas avec les options graphiques à fond, mais dans des très bonnes conditions. Hein. Après, c'est le stream des fois, où je sens que voilà, je lui demande pas mal à mon PC quand je joue et je stream en même temps. Oui. C'est très beau, c'est quoi la suite du projet dans les grandes lignes ? Dans les grandes lignes, point d'exclamation et John, point d'exclamation, projet. Et tu vas voir un concept art qui est mon inspiration pour la suite. Et je vais le faire parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Ah. Ah. Quoi ? Attends, j'ai eu le. Bah mince. Voilà, c'est bon, ça charge. Désolé, ouais. Et je vous le montre. Paf, pif, pouf. Évidemment, mes écrans ont changé, je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est ça l'inspiration. Oui. T'es beau, hein. T'es trop beau. Donc là, par rapport à cette inspiration, on a fait, on va dire, la partie centrale ici, là. Donc c'est une inspiration, on ne fera pas une reproduction, mais... Et donc là, prochaine étape, on travaille sur la partie du milieu. Après, ici, là, comme on en parlait en tout début de stream, un peu caché par le chat, mais ici, il y a les espèces d'aérodromes avec les avions qui décollent. Là, on a un observatoire, on a des petits ballons volants qu'on mettra autour. J'ai pensé à des bâtiments, j'ai pensé à des jardins volants aussi, hein, qu'il faudra qu'on mette.
C'est beau. C'est très beau. Très beau. Je veux d'autant plus dire que c'est très beau que c'est pas de moi. Voilà. Très beau. Et salut Balkany Fan Club. Bien, donc on avait dit que j'avais... Enfin, on avait dit. J'ai dit que j'avais des blocs à mettre en dessous. Que j'ai pas mis au début. Alors. Hop. On va descendre. Donc, si je réactive le schématique... Parce que je me souviens vaguement... Je crois qu'il y a une pointe, donc je pense qu'il y a un bloc de cuivre et une barrière et un truc en copper. Comment ça s'appelle ? Ah non, c'est pas un bloc de cuivre. Du coup, c'est du chisel deep slate, une barrière en blackstone wall et le truc de cuivre. Ok, très bien. Par contre, pour remonter là... À redescendre là. Bah si, je vais mettre un échafaudage en dessous. En dessous, ouais. J'ai pas le choix. Pile dans l'axe. J'ai pas le choix. T'as fait quoi avec ta queue, bébé ? Elle est où ta queue ? Il a rentré sa queue. En train de le caresser, mais je vois pas sa queue bouger. Alors... Elle est dans toi. Donc ça... Où est-ce que j'ai foutu voilà, mur en pierre noire. Et donc où est-ce que j'ai mis des échafaudages 34. 34 c'est peu pour monter jusqu'à la bonne hauteur là. J'ai pas plus d'échafaudage que ça. On va aller en recrafter parce que je suis pas sûr que ça passe. Tiens, je voulais te demander, est-ce que tu aurais du teuf par hasard ? Très peu, mais je peux t'enfiler 2-3 stacks, mais c'est tout ce que je vais avoir. Ah. Et Reiju, est-ce que je ferai des petites plateformes volantes ? Pas dans l'immédiat, mais pourquoi pas quand même, ça fait envie, hein, c'est clair. Et le chat, le canon de chat. ASMR bambou. Bambou. Hop. T'es beau le chat. J'ai envie de te faire des bisous encore. On a perdu du boîte, hein, ne vous inquiétez pas. Ceci est tout à fait normal. Boîte à meux sera de retour dans quelques instants. Oh le chat. Oui, oui, la prise marine, le beacon, on a plein de trucs à faire. Il est 22h46, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Loot de mob. Alors, j'ai un peu de ficelle. Voilà. On a fait 2-3 échafaudages. Hop. Je pense que 64, c'est suffisant. J'ai mis ça. Du tapis rouge. Tapis rouge. Pomme de renette. Pomme d'api. Tapis gris. 3, 4, 5, 6, je sais plus. Ah bah non, il va me manquer. Oh non, il manque des tapis. Ma vie est injuste. Il manque deux tapis. Un seul tapis vous manque et tout est dépeuplé. Hein ? Oh, c'est pas ça qu'on dit ? Je sais pas. Ah, il est trop bien mon. Ah, on peut pas poser de. On peut pas. De scavoler sur des feuilles. Et non. Oh bah non. T'es honteux. Boîte à le hockey. C'est la boîte à hockey. Pardon. Ça va peut-être revenir. Hein. Je vais essayer de me mute. Me dites pas que j'ai pas pris assez d'échafaudage. Non, ça va. Boîte à hockey, ça fait carrément presque karaoké quoi. Boîte à hockey. Boîte à hockey, karaoké, ouais, carrément, ça va très bien ensemble. Et voilà, on a mis la touche finalesque à notre. La petite pointe. Tu pointes. Et ouais.
Et ouais, ouais. Coucou Raph, regarde, on a fini la partie de base. Raph qui est complètement accro à Pokémon Legend Arceus. Ah, c'est cool. Bah, tant mieux si le jeu te plaît. Controu est tellement chutant. C'est bien, c'est beau. La petite pointe, tu peux me montrer? Ah bah, je viens de la montrer, là. Ah, attends, j'étais en plein vol, là. Je veux pas le savoir. Bon, par contre, tu vois, c'est quand même un peu sombre en dessous, quoi. Ouais. Mais par contre, même si là c'est sombre à l'endroit où je suis, dans la forêt sombre, si on regarde la structure, elle est par contre elle est pas sombre du tout. Tu vois en dessous. Mmh. Elle est suffisamment bien trouée de partout pour que ça paraisse très clair. Ah je suis content, regarde ça rend bien ça aussi, vu d'en dessous. C'est beau, non, c'est beau. Bien beau. Bon les zoos, on a fini de s'auto-congratuler. Ouais. On a du boulot quand même, pas déconner. T'es contorsionniste. Oui. Oui. Alors, faudra qu'on range un peu tout ça. Faudra qu'on aménage un peu la salle des coffres. Complètement, ouais. Ça sera un boulot à part entière. Ouais, je me questionne. Beaucoup trop de questions chez Boîte à Meufs. Suis-je ? Que fais-je ? Et regardez quand on... Voilà, ça j'aime bien. Quand on sort de la petite réserve là et qu'on voit la base comme ça, volante là. Oh ah là là. Bon du coup, tes projets en créa, tout est validé là. Mis à part les couleurs. Ouais, quasiment, on verra demain. Il y a peut-être des petites choses à changer. Ah là là, mais rien que ça, c'est sympa. Voilà. Très content de l'évolution. Je suis content, je suis d'autant plus content que quand tu commences un projet comme ça, en plus, enfin, je dirais pas que je suis sorti de ma zone de confort, mais j'avais jamais fait de choses comme ça. Tu sais pas trop où tu vas en fait au départ quand même. Il y a une part de. Est-ce que ça va bien rendre ? Alors est-ce aussi on s'habitue pas un peu, tu vois ? Est-ce qu'on se dit pas ouais, c'est bien parce qu'on est habitué quoi, mais. Mais non, mais quand il va y avoir le truc qui va monter au-dessus, là, ça va être sympa. Bon, du coup, on a du prismarine à aller acheter, et ensuite on a un beacon à placer de manière RP pour Z. Ah oui. Donc on va commencer par... les airs, d'ailleurs. Non. Très bien. Bah non. Bah si. Bah non. Bien sûr, t'es une cité volante, tu le mets sur des hélices. Ah, j'aurais pu faire ça, mais non, je vais pas faire ça, ce sera la prochaine fois. Non, non, parce qu'en fait, le beacon que j'ai pris, il était posé sur des piliers. Donc là, on va faire le beacon, mais qui s'est cassé la gueule en bas. Donc complètement renversé, en fait. Tu sais, complètement étalé, écrasé, pour le rendre. Ça va être rigolo. Wizen est en live, bah, c'est pas grave, j'irai le voir après. Je lui dirai, c'est pas une vraie prank, quoi. Regardez-moi ce... J'espère que je vais pas me faire attaquer, là. Regardez-moi ce dôme, là. Ah là 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 là. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça rend bien. Et puis ce trou, là, de folie. T'as vu, il y a une améthyste en bas, là. Oui. Rigolo. Bon, ça... Chouette. Ça paraissait logique. Mais j'aime bien comme le pont, là. Les piles paraissent tellement petites par rapport à la hauteur. Ouais. Ouais, mais le terraforming. Tu l'as vu, du coup, le terraforming sur le SSW ou... J'ai vu le screen. J'avais vu un peu le terraforming, mais avant que tu fasses des modifs. Ouais. Ah, là, là, ça va être tellement beau. Oui, il y a eu énormément de boulot de Alps, effectivement, pour récupérer le décalage de pattern. Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Et je vois pas la différence. Je voyais un peu la différence sur les vitraux. Et au final, il a bien rattrapé sur le dessus. J'avais jamais eu de bloc de diamant en main. Vraiment. Ouais, là j'ai débloqué le succès. Ah oui. Donc j'ai pris 64 blocs de diamant. Vous ne vous inquiétez pas, je ne pars pas avec la caisse. Je fais juste... Mais je fais juste des achats groupés pour les gothiques. Je vais aller acheter
le Prismarine que j'ai commandé à Ipierre, et comme c'est pour les gothiques, je paye avec l'argent des gothiques pour le projet commun. Les gothiques sont bien mis là. Du coup, est-ce que... Alors c'est Lucide qui avait rapporté tout le diamant ? Je ne sais pas, moi j'en ai pas mis du diamant. J'ai posé d'autres matériaux, mais le diamant, le peu de diamant que j'ai miné, je l'ai gardé parce que c'était du minage solo. Bon, opération de loup, on va prendre des loups. Tiens, oup. Oulala. Où ça ramollit. Ah, hein. Oh là 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 là. Dur. Je laisse pas très longtemps moi au spawn. Hein. C'est déjà ça la saison 5. Ouais. Bon, le truc sataniste de d'Avlex, ça marche tellement bien. C'est chouette hein, ce qu'il a fait. Ouais. Ah, il y a même des chats noirs quoi. Tiens d'ailleurs, il faudrait que je passe par le... Bah, je vais venir. Il m'en faut des fusées, j'en ai plus. Alors, il y a le Holy News. Payez un diamant et lavez-vous les mains avant de vous servir. J'ai l'hydro. Ah oui. Okay. Je paye pas un diamant pour ça. Non, c'était pour les escrocs, ça. Oui. Truc d'escrocs. C'est pyramidal, du coup. Non, pas du tout. Ah, parce que l'entrée est chouette, maintenant. C'est chouette. Par contre, les chunks qui chargent pas, on en parle. Ouf. Alors, elle est où l'usine à... Ah oui, mais c'est le Black Seal, oui, c'est le Black Pearl, c'est le bateau, je suis bête. Ouais, côté de chez Ballet. Bon, une fois que c'est chargé, ça va à peu près quand même. Puis la zone est belle. Ouais, je vais tout voir par là. Le bâtiment de Bouboune, hein, le gratte-ciel, il est trop bien. Ouais. Il est beau, le Bouboune. Beau. Non, mais je dépense parce qu'on construit. Oui. Oui, il y a deux. Oui, il y a... Ah, j'avais pas vu qu'il y avait. Elle est sauvage. Ah, d'ailleurs, faut que je regarde s'il y a encore mon soulevé. Faut faire par balai. Ça, j'ai dépensé la saison précédente, j'ai dépensé une fortune en lanterne aquatique. Je suis bien content de m'en passer cette saison. Oui, tout à fait. Eh, hey, bonsoir, monsieur Boite qui parlait en double. Je t'entends aussi en double, c'est pour ça. c'est où? Ah, c'est là. Alors, elles sont où les shulkers? Pas ça. Les shulkers dessus. Oh. Ah, c'est pas ça que je voulais, moi. C'est quoi, les shulkers? Ah, bah, t'es là. Attends, c'est moi qui ai la caisse. La caisse? Qui a dit bonjour? Bah, c'est toi. Ah bon? Je sais pas. C'est pas. Alors, le guess. C'est. Pardon. C'est 10 diamants. Ok. Récupérer mon seau de lait. C'est 10 diamants. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4. Oui. Voilà. Il n'y a pas de là. Non, il n'y a pas. Non, y a... Il a fait des shulkers, 20 diamants de shulker. Il se fait de l'argent. Mais c'est stonks. Tu crois comment qu'ils ont eu tout? Tu n'étais pas là, tu n'as pas vécu ça. Mais à la fin de la saison 5, oui. je trimais pour avoir du quartz pour finir ma base dans l'End. J'avais besoin de quartz et j'avais dépensé mes derniers diamants. Il n'y avait plus rien en magasin. Tout avait été vendu. Sortez les violons, là. C'est le moment de la petite musique triste. Et comme c'était la toute fin, qu'il y avait beaucoup de gens qui jouaient plus, on a décidé, on a demandé avec ceux qui jouaient encore si on pouvait aller voir les joueurs de ceux qui, les bases des joueurs qui étaient partis, pour voir si on pouvait prendre des matériaux qu'ils n'avaient pas utilisés. Et là, je suis allé dans les bases de Stonks. Et là, nous sommes tombés sur des doubles coffres remplis de shulkers de quartz, invendus, inutilisés, qui dormaient.
sur des fortunes de matériaux non utilisés. Ça fait tellement mal au cœur. Bah non, parce que je les ai pris et puis j'en ai utilisé une partie. Oui. J'ai pas tout utilisé. T'as pas payé, du coup. Non, j'ai pas payé. J'ai pas tout utilisé tellement il y en avait une quantité mais incroyable. Elle est... y a pas de. Elle est où la Dark Prismarine ? Bah y en a pas, pas encore. Moi je croyais qu'il en avait farmé. C'était quoi, son... mais... c'est quoi son message ? De... je vais pas lire. Ah non, attends. Shulker de Prismarine et Brick en vente dans le shop. Pour la Dark Prismarine, il y en aura bientôt. Ah oui, un ou deux. Je rajouterai des briques aussi. Il y en a que trois en vente pour le moment. Ok. Bon. Je venais prendre. Moi. Bon, bah j'ai pris toutes les Shulkers. Donc de toute façon, il n'y en a plus des Shulkers. Voilà. Ah, j'ai pas renommé les diamants. Bon, il saura que c'est les gothiques, on lui avait dit qu'on les prendrait. Est-ce qu'on a besoin d'autres matériaux pour les prismarins ? Pour les prismarins. Pour les gothiques. Là, il n'y en a pas qui me viennent en tête. C'est pas faux. On me signale que j'avais moi-même des doubles coffres remplis de Shulker d'Endstone. Oui, mais l'Endstone ne s'est jamais vendu. du fer peut-être, non, on n'en a pas besoin, pas trop. Non, on a usine à fer, mais bon. De la calcite peut-être. Est-ce qu'il y en a en vente ? Il y en a en vente par là de la calcite. Que des shulkers. Calcite à la commande. Or. Ah bon ? Ouais. Ah merde. Il y a du basalte, mais 16 diams la shulker. Aurait été encore de la blackstone, mais le basalte, c'est pas... Ouais, blackstone, ce serait bien. Non, mais il n'y en a pas. Je trouve. Merci. C'est du basalte. Le basalte, on n'en manque pas. Zanzac Goldman qui s'en va. Oh, la tour de... Oh, putain. Elle est belle. Bon, je parle même pas de l'arbre de Lucide. Hein, la folie douce. Ah, oh, la tour. Et tu vois, c'est marrant parce que je m'attendais pas du tout à ça de Boone. Mais je suis très très agréablement surpris. Tout simplement parce qu'à la saison précédente, il avait construit quelque chose d'assez, entre guillemets, minimaliste. Alors, c'est, ce que je dis est faux si on regarde son projet de l'attaque autour du thème de l'attaque des titans. Mais je pense à son projet autour de The Witcher, où il avait commencé par construire un petit village de The Witcher qui était vraiment petit, mais très détaillé, avec plein de choses très chouettes, hein, mais rien à voir avec ça, quoi. Non, c'est très très chouette. Puis moi, je suis particulièrement sensible avec ce que je peux construire sur les difficiles aventures dans un style qui est très proche. Hein. Ah oui, il y a une fleur, tiens, avec un nez. Ah non, c'est très chouette. Moi j'aime bien ce style, mais voilà, après c'est un style très contemporain. Mais... Bon, par contre, le train des cheminots, là, il avance pas bien vite. Hein. Ah, faut que je fasse le pont. Ah, c'est toi qui fais le pont, cette partie là. Ouais, j'ai la suite à faire. Ah, nice. Ah oui. Oh putain, oui, c'est ça un sacré pont. C'est quoi ça ici là ? Mercredi, je pense. Oh, non, trop ça bien. Va être le shop de corail. Ah, c'est le shop de Tajine ? De Tajine, non, de Smithies. Smithies, ouais. Ah, oh, trop bien, il a fait son. Ah oui, c'est ce qu'il disait, son petit feu de camp s'il te gêne. Ah, oh, trop bien. Oui, avec toujours dans le thème des archéologues. Ah, oh, trop bien. Ah, oh, ouais. Ah, ça rend bien avec le teuf, avec la... Ah, sympa. C'est un peu loin, mais... Ah, oh, trop bien. Oh, putain. Ah, oh, c'est génial, ça. Oh, oui. Évidemment, c'est évident, mais ça rend trop bien. Tiens, trop mignon. Ah, mais il est là, Smithies. Allô ? Hey, coucou. Oui, allô ? Allô ? Je suis dans le trou ? Ah, t'es dans le trou, je te vois. Coucou. Qui est là ? Oran et boîte à meux. Ah, oui, salut les gars. Attendez, je remonte. Tu feras gaffe, t'as de la TNT au-dessus de toi. Hein. Oui, c'est dangereux. Au-dessus de moi ? Là, regarde, bah, en bas. Il y a un petit bloc de TNT là qui se cache. Oh là.
Oh là. Oui. Ah. Oh. Ah oui, d'accord. Ah. Boîte, t'as déclenché une réaction en chaîne. C'est bien de minage, hein, du coup. Parce que vous, vous voyez pas ce que moi je vois. Comment ça? Ah, moi je vois surtout que t'as plus beaucoup de vie. Hein. Oui, mais moi je vois mon light medska, c'est pour ça. Ah, ok. Attends, tu me feras le plaisir de manger un bout quand même. Oui. Je parle pas du mien, mais attends. T'as pas un under chest? Attends. T'as pas un under chest là? J'ai des pommes d'or, ici, tu me fais de la ici, peine. Là. Regarde, je vais t'offrir ici, ma pomme. Tu vas m'offrir, tu vas me chanter la pomme? Non, t'offrir une pomme. Et en tout cas, c'est super chouette comme petite crique avec le corail. Là, le nautil, les nautiles posés sur le sol, c'est tellement évident et tellement chouette. Merci, c'est gentil. Enfin, voilà, j'avais jamais vu ça, mais c'est voilà des coquillages sur la plage, c'est tellement bien. C'est super chouette. Puis le petit campement là avec la tente et tout. Ah, ça, oui, ça, parce que... ça rend bien. Ah, je disais, ah oui, c'est rien. Fallait j'attendre que ça heal. Hein. Oups. Mais en plus, par deux, c'est mieux. Là, et puis, là est-ce que mon campement va être dans ton chemin, boîte? Oui. C'est ça, hein, oui. Est-ce qu'il y a un pilier direct dessus? Non, mais je vais m'adapter, hein? Monsieur qui me demande, là. Et qui... Non, mais ce que j'allais te dire, c'est moi, je vais m'adapter parce qu'en fait, c'est que j'ai oublié. Ah, il a oublié. Là, plein défait, dans... je suis dans le chemin. Bon, bah oui, parce que moi, fallait que fallait que j'arrive sur la montagne, la colline là en face. Moi, je vais un peu me décaler en espérant que ça passe. Pas gaffe, il y a un fantôme. Non, mais au pire des pires, je le change de place. Ce petit non, mais non, parce que même le corail que t'as mis au fond de l'eau là, ça va. Il y aura un pilier qui va venir dedans. Donc, Ouais, mais c'est ce que je me demandais. Tu veux pas faire une grande, un grand viaduc style viaduc de Gustave Eiffel, tu vois, avec un truc très élancé? Ça va être élancé. Je sais pas les références que tu me proposes. Ah, faut tête, que je mais... trouve, attends. Pensez à un viaduc qui est en... Mais je vais voir. Je vais peut-être faire un virage parce que, bon... Mais attends, le coraux, il est pas dans ton chemin? Bah en fait, il y aura un pilier là, l'endroit où tu arrives. Là, l'endroit où c'est tu es là, il y a un pilier. Ici là, ouais. Oh, bah ça va, c'est juste un petit peu de tough, il y a rien d'autre. Hein. Au pire, si c'est quelques blocs qu'on enlève, ça ne dérange pas. Si t'as mon retour de stream, boîte, c'est le viaduc de Garabi. Ah oui. Oui, ça sera dans en Auvergne. Et tu vois, il a été construit par Eiffel, donc c'est dans. Et. Tu vois, il est très élancé en fait avec cette grande arche métallique. Oui. Bah, ça sera ça dans l'idée, mais il y aura des piliers, des supports en pierre, en briques. D'accord. Et du coup, ça sauverait. Parce que moi, je suis d'avis de faire une manifestation. Hein, il faut sauver le campement Smithy, il faut sauver la barrière de coral. De corail. Non au train. Non à la destruction de l'environnement. Bah, moi, je suis bâtisseur. Hein, il faut se plaindre avec cheminot. Hein. je vais construire. Oui, il y a un zombie derrière. C'est les archéologues. Ils en peuvent plus. Mais. Ouais, ben en fait, tu vas peut-être moins dire « sauvons la caverne et les coraux » quand tu vas voir ce qu'il y a dans la caverne, en fait. Une belle bête, hein? Oui, il va y avoir une bête, ouais. Ah, trop bien! Et j'aime beaucoup l'entrée, le mélange teuf... je sais plus comment ça s'appelle, ce machin-là. Terrypsonde. Ouais. Terrypsonde. J'aurais pas fait ça. Et ça rend bien. Enfin, c'est un truc que je maîtrise pas du tout, cette pierre. Mais ça rend très bien. Ça rend très très bien. Ouais. Ouais, j'aime bien aussi, ouais, c'est cool. Ça fait un peu, je sais pas comment dire, mais comme... ça fait jurassique. Ouais. Genre fossile un peu, genre... Je sais pas trop. Trop bien. Trop bien. Et bah GG. Et du coup, quand t'auras un peu de corail bleu, je t'en prendrai un petit peu. En vente. Oui. Je sais pas si j'en... Après sinon je viens me servir dans le lagon, mais... J'en ai un stack et 30 ici. Ah oui, non mais il m'en faudrait une petite shulker. Ah ok. Bah on s'en reparlera dans... Parce que j'ai pas encore commencé la récolte, vraiment.
Mais je pense que je vais ouvrir le shop sur la plage avant parce que là je suis en train de creuser puis ouais c'est pas prêt encore. Ok. Non mais y a pas de soucis. Là pour l'instant moi j'en suis encore à faire des tests de pattern donc j'ai pas encore vu la quantité exacte qu'il me faudra mais on va en mettre. D'accord. Et bah écoute. Et sinon, oui. Si tu as besoin de vainer, je suis disponible pour faire le petit chant et la petite danse et offrir les colliers de fleurs. Si tu as besoin, je peux faire ça pour l'ouverture de ton shop. Ah oui, non, finance. Bon, c'est bon. On pourrait même t'offrir en offrande. Ah, je pensais pas, moi. Je pensais pas. J'allais dire une connerie. Ben, je vais te la garder pour moi. On va offrir vierge. Oh vierge, oh t'es pas sûr hein. Mais Billy, ouais, non, mais Billy peut-être. Pas ah Billy il est pas vierge du tout hein. Billy il est une expérience. Hein. Avec les vaches. Oh là là, bah plein d'animaux hein. Avec les chèvres, ouais. Parce que toute la ferme est passée là-dedans. Hein. Ouais. Bon allez, moi je te laisse Smithies. Yes. Bonne construction. Merci c'est cool. Papa, ça, de votre visite. C'est super sympa le lieu. Merci. Fait envie. C'est cosy, allez. Pour vraiment. Et à bientôt. Cool. Bye bye. Minou. Pas trop loin, Owen. Du coup, ça c'est mes shulkers, juste là. Yes, ouais, j'ai vu. Bon, et eh ben je vais retourner chez les gothiques. Je vais poser la prismarine, reposer les diamants. Et on va poser le beacon. On va faire un truc marrant. On va essayer en tout cas. On va inventer des trucs là. Du site, code du site. Yes. C'est beau, c'est beau, je poigne. Hop, où vais-je? Que faire? Où suis-je? Dans quelle étagère? J'ai pas besoin de viande. On va prendre un stack de fusées, on sait jamais. Jamais trop prudent. Tiens, ah oui, ça va être J'ai vu. Je sais pas si. Tu te rappelles, je t'avais montré un youtubeur qui fait un serveur 19e, 20, début 20e siècle. Oui. Il a ressorti deux vidéos la semaine dernière, je crois, sur mise à jour de son serveur. Très sympa. Et je me suis abonné à sa chaîne. Je sais plus. Et j'ai vu une astuce pour faire des statues assez connues avec des barrières, avec des murets. Tu vois, genre tu mets des murets. Tu fais un tronc avec un bloc, puis tu mets des murets sur le côté. Et il utilisait des têtes de wizard pour faire comme des statues, en fait. Ça faisait des statues toutes noires avec des murets en blackstone. Ça rendait super bien. De loin, t'avais vraiment l'impression d'avoir la silhouette de statue, en fait. En tout petit, tout petit modèle, quoi. Tête de wizard, on a, en plus. Bah ouais, avec Alps, pas de soucis, ça. Donc, c'était sympa. Alors, Prismarine... Je fous les. Quoi cet accent? Prismarine. Je sais pas. Je fous les shulkers ici. Voilà, les shulkers. Je vais reposer les diams. Mon lit, il est où mon lit? Hop. Bon. Et je vais aller récupérer les blocs. Bah, le beacon en fait. On va aller récupérer le beacon. C'est quoi le nom du monsieur déjà? WBC ou un truc comme ça. Je vais regarder. Oui, tu m'as dit ça parce que tu vas au shot ou tu vas regarder ça aux toilettes. Okay. Non, bah non, je vais faire la petite com. Abonnement, il a sorti ça quand? Il a sorti deux vidéos parce qu'il a coupé sa visite en deux parties. Et la dernière partie est sortie dimanche, je crois. Mais la première dans la semaine, mais je sais plus quand. Je suis bien trop de monde. Et c'est très chouette. J'aime beaucoup. Et là, pour le coup, c'est pas lui qui construit comme la vidéo que je t'avais montré. Là, c'est vraiment son serveur où il va visiter plusieurs projets qui sont assez variés. Il y a
des villes plutôt londoniennes, des villes plutôt d'inspiration flamande ou allemande, mais toujours avec la thématique du 19e siècle, enfin fin 19e siècle, début 20e, avec des voitures, des tacos quoi, avec des trains à vapeur, avec... Je me souviens plus de ce monsieur qui est... C'est pas WBCM, c'est pas ça ? WBC. Attends, je vais trouver ça dans mon historique. WBC Build. J'ai regardé ça hier. Ben je suis déçu parce que je m'étais même pas abonné. Ouais, c'est ça, WBC Builds. Il y a un jour, exactement. Ben, du coup, ce sera la petite lecture de chevet. Écoute, moi j'aime bien, c'est très chouette. C'est des... Il y a une astuce que j'ai vue pour faire des bâtiments haussmanniens. Tu sais, les bâtiments haussmanniens, ils ont des espèces de petites rayures sur les côtés. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais on fait souvent avec des escaliers. Attends, j'arrive pas à rester concentré, faut que j'aille faire pipi. Je reviens. Oui, c'est du créa, c'est pas de la survie, c'est du créa. Et bah ces petites rayures, on peut très bien les faire pour qu'elles soient toutes fines avec des murets et avec le debug stick. Trop bien. Je me demandais si je l'intégrerais pas, mais c'est un peu chiant à faire avec le debug stick en survie. Parce qu'il suffit que tu actualises un tout petit peu le bloc et puis bam, tu perds ton muret quoi, mais bon. Ouais, muret non connecté vers le haut. Et ça rend trop bien. On est good. Bon, ce qui m'embête, c'est qu'il y a un beacon qui est juste là. Du coup, ça casse un peu mon idée. Donc je pense que ce beacon-là, on va le couper. Et genre là, on va mettre juste 3 blocs. Hop. Ah, j'ai pas mute, pardon. T'as entendu faire pipi, ouais. Ah, en plus. Non. Ah non. Ah, comment tu le poses ton beacon là? Il s'est cassé la gueule, je te l'ai dit. Ah, je croyais que tu voulais vraiment l'activer. Non. Ils vont pas comprendre. Si, bah je vais mettre un panneau, parce qu'effectivement... Le beacon est tombé. Ouais. Ça ressemble à rien. Oui, bah c'est le but, hein. T'as vu la chute? Hop. Bon, j'ai de l'eau de là. Et d'ici. Et d'ailleurs. Il me faut. Pour mettre des algues au fond de l'eau. Je peux bonne-miller juste le fond de l'eau, mais peu importe le fond de l'eau. C'était clair ce que je viens de dire. J'ai rien compris. Vous avez compris le chat? Faut que je fasse un coup de bonne mille dans le fond de mon eau. Est-ce que le fond de l'eau doit être en... Ah merde, il reste encore des blocs. Il y a tellement de blocs dans un beacon. C'est... On va remettre un peu en haut. Et en fait, pourquoi t'as enlevé le beacon? Ah, parce que j'en avais besoin pour creuser, tu sais. Ah, c'est celui-ci, d'accord. Tu vas rien comprendre. Y'a rien. Quand je regarde le beacon qui s'est cassé la gueule. Donc c'est pas faisable sur n'importe quelle surface. Je sais pas, si. Il me semble que si. Hmm.
C'est vrai qu'on aurait pu pousser le truc un peu plus loin en mettant un porte-armure et une tête qui ressort d'un bloc. Mais dites pas qu'il n'y a pas de cobble dans ces coffres. Oh. Voilà. Mais... Ah, c'est bon. Allez. Il me faut de la bonhomie là. Y'a pas de cobble. Non, je vais pas poser 3x3, je vais même pas l'activer. Hein. Y'a pas de coup bleu. Hot. Oh, ouais. Oh. Et la tête de Lucie. Les musiques en tête, mon dieu. Alors la cobleu elle est pas là. Wellerman. Gentil. Aïe. Oui. T'es Wellerman. Comment ça s'appelait? Oh bah si je vais sur YouTube, ça va fonctionner. Ah, c'est ça. Ça s'appelle Alina Jingertail. Je la mettrai bien demain. Alors je vais la mettre. La musique? Comment? De quoi tu parles? D'une artiste... d'une chanteuse. Oui, c'est de la musique. Alina... Oui, là c'est le son de... des marins, les chants marins. Ah. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Bon, elle fait pas que ça, hein. Elle fait plein de... plein de choses. Je mettrai du Alina Jingertail demain. Ouh, The Smithies. Il est mort? Ouais. Ouais. Ouais, ça c'est le ping. Hein. Ouais, facile. Oui. Passe. 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 Oh là là là, cette passation. Bah. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, c'est que la bonne mille fonctionne une fois que bah même dans l'eau sur n'importe quelle surface. Oui. Voilà. Et tu me dis. Je t'ai dit que ça marchait partout. Hein, bah pas le chat. Le chat, il... non mais attends, tu stream depuis combien de temps, boîte? Je mets pas souvent de la bonne mille dans de l'eau. Non, mais depuis le temps que tu streams, tu devrais savoir qu'il faut pas croire le chat. Que le chat ne... Oh, ok, oui. Il joue comme ça, bien sûr. Il me faudrait des panneaux. Donc le chat n'a jamais raison, c'est ça? Si, mais il faut pas le croire. Faut pas les croire. Quelle conclusion. Après, je voulais faire un truc très dissimulé ici. Ma copine sait simuler, mais... Ah. Faute de support. Qui le beacon s'est cassé. La binette. Binette. Pas ça écrit comme ça, la binette. Ça se comprend. Du coup, est-ce qu'on va voir Zed? Ou est-ce qu'on le laisse le découvrir tout seul? J'avais très envie de voir sa réaction, en fait. Mais si je vais le voir... je sais pas. Attendez, on va quand même aller en vocal avec lui. Allez, lui. On va aller voir. Alors, il est où, Zed? Il est là, Zed. Je switch. Je vais le voir. Ouais. Bon, je tombe. Bonsoir monsieur Z. Il est fatigant ce jeu. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va, mais j'ai un petit problème de RP. Et donc je me suis dit que tu étais l'expert tout désigné. Ouais, spécialiste RP, ouais. Est-ce que tu es où?
Est-ce que je peux venir te... Je suis dans mon trou. Ouais, je m'en doutais. Dans ma mine. Mm-mm. Donc si je commence à descendre dans ta mine, je vais me perdre, c'est ça. Non, il y a un balisage. Ah, mais je sais pas où est l'entrée. L'entrée, il est... tu vois le petit fjord qui remonte vers le nord, là, vers la mer, vers l'océan. Mmh. Alors le fjord qui est creusé, là, tu veux dire, avec la petite cabane... Ouais, qui est en train d'être creusé. Ouais. L'entrée, elle est sur la gauche. Il faut que je passe par cette petite cabane. Ah bah, trou ouais. AZ, mine de la Zoria. Ok. Et donc là, tu suis... Il y a un escalier qui est creusé dans la roche pour faire la descente dans la cheminée, et tu suis le balisage avec... les pierres. Les poteaux et les torches mises sur les poteaux. Ok. Et toi, est-ce que tu arriverais à sortir de ton trou? Mmh. Bah, j'ai presque fini une de mes salles, donc oui. Non, en fait, pour tout te dire, en fait, je t'avais emprunté un beacon, mais il y a longtemps, et puis j'avais zappé de te le rendre. Tu sais, sur l'équipe 5. Non, là, c'était le beacon qui était posé à côté de, bah, justement, à côté de l'entrée de la mine. Et t'avais mis, je crois, des piliers pour le soutenir. Ah oui, mais c'était pas moi le beacon. Moi j'avais juste fait les piliers. D'accord. Pour qu'il soit RP. Et d'où mon problème de RP en fait. C'est que j'ai voulu te le rendre, mais j'ai eu un petit souci. Alors, j'en profite pour visiter. Qu'est-ce que grande salle Tilou 2. T'as abandonné l'espéranto ? Oh, y a quelques panneaux en espéranto, mais ils sont cachés. Ah, un passage qui picole. Non, en fait, j'ai vendu avec les points de chaîne le nom des... Ah, le nom des salles. Le nom des salles, des couloirs et tout ça. Ah, cheminée M. Donc c'est des noms de viewers, tout ça. D'accord. Et des fois, il y a des pseudos bizarroïdes, ouais. Et ouais, on me demande si tu remontes de temps en temps à la surface. Tu restes enfermé là-dedans. Oui, je remonte de temps en temps, mais pour taper le fjord. Ouais. Attends, je vais remonter un peu ton son. Hop. Oui, je remonte de temps en temps. Mais c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps. Ouais, je remonte dans le fjord, j'étais venu faire le... Donner un coup de main à la maison de faction. Ah oui. Dans le Nether, au spawn. Donc de temps en temps, je remonte. Et c'est vrai que j'ai du boulot là-dedans. Alors, on doit être proche parce que je t'entends en double. Ah oui, bah, je vais couper mon... Moi aussi. Hop. Alors, je remonte mes escaliers. Salle du lac Stormpulper. Ouais, donc c'est juste après. Il y a des coffres partout. Oui, ça c'est normal. C'est RP. Oui. Ah bah, alors t'en es à l'âge de la maille. Ah non, il faudrait que je passe en tout en fer. Je suis au deuxième âge là. Ah ça y est, t'es passé au deuxième. Maintenant, faudrait que je passe tout au fer. Et donc maintenant au deuxième âge, on creuse et on fait des salles voûtées et tout ça. Donc le passage il est là. Si tu veux venir voir. Yep. Alors comme on est au début du deuxième âge, on fait encore des trucs simples, puis mais à la fin on devrait faire du... Ça correspond un peu au Moyen Âge. D'accord. Donc là on a le petit balcon. Donc c'est les thermes qu'on est en train de faire. Ah il fait chaud. Hein. Wow. Ouais. Donc on a récupéré de la lave pour chauffer l'eau. Là, donc là c'est la salle chaude. Ah. Et juste à côté on a... Donc des thermes, alternance d'une bain chaud, bain froid. Donc là, on va pouvoir aller des bains chauds vers les bains froids. T'as des poules, voilà, j'avais, déjà. J'avais masqué les bassins pour pas être embêté avec l'eau qui tombait du ciel, mais comme j'ai fini la voûte... On peut tout enlever. Ouais, on peut tout enlever là. Même les échafaudages. Non, parce qu'il faut que j'aille mettre les lanternes là-haut. Tiens, okay. D'ailleurs, question.
C'est un petit peu sombre le haut de la voûte. Mmh. Donc, est-ce que toi, tu le laisserais comme ça pour garder l'aspect un petit peu mystérieux, sombre, ou est-ce que tu l'éclairerais ? Bah déjà, si tu mettais lanterne, ça va l'éclairer, non ? Oui, oui, c'est pour ça. Je me demande, est-ce que ça vaut le coup que j'aille mettre les lanternes ? Et ça a tout foiré la flotte. C'est tout redescendu. Ah. Faut que tu rajoutes des sources d'eau, non ? Je voulais pas mettre de source. Donc j'avais trouvé une technique. J'arriverai pas à remonter là. Faut peut-être que tu mettes des blocs et puis après tu. Bah, j'en ai pas sur moi. Mais si tu mets des blocs genre. Comme ça, non, ça va. Comme ça. Ouais. C'est ça en fait. Mais il faut le faire dans les quatre bassins en même temps et les casser. Ah, si tu casses, oui. Et je l'avais fait, et m'étais dit, et comme c'était un peu galère, j'avais tout protégé en me disant ça va être bon. Et là, je viens de tout découvrir sur toi, et je m'aperçois que tout est descendu d'un cran. C'est étrange, ça. Par contre, ça marche pas bien là ce que j'ai fait. Ouais, j'avais utilisé des blocs complets parce que sinon, ça se... ouais, sinon là ça va se. Ce vater loger. Ouais, ça fait un truc bizarre. Ouais, non, bah, je le referai. Je ne sais pas ce que. J'avais deux lanternes, je sais pas ce que j'en ai fait. Je les ai pas sur moi, donc c'est pas mal de les récupérer. Elles ont disparu, je les ai posées quelque part probablement, je sais pas. Elles ont disparu avant que tu arrives. Je n'y suis pour rien. Et donc du coup tu fais une civilisation souterraine. Ouais, c'est ça. Différents âges, d'accord. Ouais. Avec l'aspect RP, il y aura trois âges. Donc le premier âge, ils faisaient vraiment rien. Ils ont fait la jonction en fait. Si tu suis toute la mine, tu te retrouves à la ville marchande. D'accord. La zone commerciale. Mmh. Donc dans le RP, les gars, ils ont traversé sous l'océan parce qu'ils aiment pas l'eau. Ils ont fait un chemin pour relier le pays des Goths à la zone commerciale. Ouais. Et là, maintenant, ils construisent un peu quand même. Et donc, au deuxième âge, ils construisent. Et donc, au deuxième âge, ils construisent. Ils sont un peu. C'est le Moyen Âge, donc ça va être des trucs un peu à voûte et tout ça. Et le troisième âge, ça sera plutôt moderne. Ah oui, carrément, tu passeras du Moyen Âge au moderne. Quoi. Ouais, au moderne, ouais. Et tu prévois beaucoup de choses à chaque âge ? Il n'y a pas de plan complètement fini, ça sera au fur et à mesure. Dès que j'aurai construit assez de choses au deuxième âge, on dira hop, c'est fini, on passe au troisième âge. Et... D'accord. Bon, on a une petite cathédrale de prévu quand même. J'ai trouvé une faille gigantesque. Je pense que ça va pétouiller. Ah bah cool. Et bon bah j'ai perdu mes... Et au prix que ça coûte, un lingot, la lanterne, c'est une honte. Ouais. Je sais pas ce que j'en ai fait. Ah bah si, j'en ai mis une là. Bah je dois m'en rester une. Ah non, j'en avais fait qu'une. J'avais fait deux chaînes et j'avais fait qu'une lanterne. Ok, donc c'est ok. Bon, j'ai retrouvé mon petit. Non. Il perd pas la mémoire. Vous dites n'importe quoi dans mon chat. Non. La cathédrale de la procrastination, on me dit. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Fredo qui balance. Ouais. Fredo, il vend la mèche. Mm-hmm. Hop. Bon, ça, bah voilà. Enfin, bon, du coup, si tu remontes un jour et que tu cherches le beacon que tu avais soutenu, sache que j'ai eu des petits problèmes avec le RP. Voilà. Mais tu verras. Donc, il est en l'air, hein, il flotte, là. J'ose pas te dire. Je vais être choqué. Je vais être choqué. Ah bah tu vas. Bah, je sais pas. Alors la sortie, c'est peut-être par là. Moi je vais essayer de sortir. Est-ce qu'il faut que j'aille le voir ? Oh, tu peux. Tu peux je vais demander à mon chat. Tu peux le voir, il devrait plus bouger. Sauf si quelqu'un le prend, mais. Je crois que je suis passé par là. Ouais. Hop.
Mais quand tu as construit tes chemins d'accès, t'as pas peur de te retrouver dans l'immense trou des gothiques là? Non, parce qu'il est. Tu vas pas jusque par là? Je vais pas jusque par là. D'ici, je monte vers le nord. Attends, hop. D'accord, ok. Oui, tu vas pas plus. Tu vas pas plus au sud. Je vais pas aller plus au sud et je vais pas plus à l'est. Donc je devrais pas tomber sur le gros trou. Pas sur la mine. Je voulais surtout pas aller. En fait, au départ, il y avait la mine optimisée. Mmh. Ah oui. Je voulais pas aller me retrouver dans la mine optimisée. C'est pas très. Oui, c'est pas très. RP. Il aurait fallu que je la masque. Quoique après, hein. Peuple de nains miniers, mineurs, peuvent faire des trous dans tous les sens. Et donc, tu as essayé d'utiliser au maximum les cavités naturelles, hein, c'est ça, hein ? C'est ça. Ouais. J'ai fait tout le parcours qui est assez grand, hein. On est loin de la zone commerciale, mine de rien. Ouais, ouais. Et j'ai creusé que. Alors, il y en a un de confort, j'ai creusé que 3 petits tunnels. D'accord. J'aurais bien aimé faire complètement la jonction avec rien que du. Mm-hmm. Du naturel, mais c'était pas possible. En fait, il y a deux grands circuits et ils se touchent pas. D'accord. Et t'as cherché mais, tout ça en mode naturel survie, quoi. Ouais, ouais. Bon, avec la minimap quand même. Hein. D'accord. Bon, bah, pour faire les joyaux, en fait, la minimap, ouais. Ça aide. Hein. Mm-hmm. Mais sinon, ouais, en survie. T'essayes un chemin, tu tombes sur un cul-de-sac, tu recommences. Il a fallu une paire de 4-5 lives hein, pour faire la. Oui, un peu de la gouille. Bon, en tout cas, voilà, au cas où, si jamais t'as besoin de soutenir les beacons plutôt que des piliers pas toujours très esthétiques et très efficaces, on me propose de t'équiper en hélice, puisque je suis le représentant de la cité volante et que on s'y connaît en mécanique de sustentation dans les airs. Ah, c'est pas toi, c'est un fantôme. Non, ouais. Alors, il est où le beacon ? Bah, j'étais obligé de laisser ceux qui étaient déjà là, hein, mais j'en ai ramené un quand même. Ah, tu l'as mis en sous-sol ? Non, c'est pas moi celui-là. Ah, tu l'as ramené en forme explosée ? Bah, en fait, j'ai eu un petit souci. Il s'est cassé la gueule. Il était plus soutenu par tes piliers. Ah, ouais, alors là, on est à fond dans le RP. Là. Oh vache. On dit en bas, c'est bourré de creeper. Ah ouais, non, c'est parfait, c'est génial. Donc voilà, je t'ai ramené le beacon, mais j'ai eu un petit souci. Ah. Il est tout tombé. Ouais, c'est ça quand on pose des beacons et que les soutiens tiennent pas, quoi. Ouais. Faut dire que c'était moyen les soutiens. Hein. Ouais, ouais, j'avoue que c'était fait un peu à l'arrache. Bah ouais, j'ai bien vu. Hein. Quand je l'ai pris, tout s'est effondré. Et j'ai essayé de refaire, mais j'ai eu un souci. Voilà. Donc si jamais t'as besoin d'hélices, tu vois, ça pourrait aider peut-être la prochaine fois. Ouais. Je crois que j'aille aller voir un petit peu ton coin. Ah bah si tu veux, ouais. Par contre, il faut des élytras. Hein. J'attends là. Ah ouais. Enfin, tu peux y aller à pied, mais après, pour rejoindre la cité en elle-même, faudra voler. C'est une cité volante. Ah bah oui, ouais, logique. Après, par souci de RP, je commence quand même par la partie en bas, si tu veux. Enfin, la partie porteuse de la cité. J'ai pas de pancarte et pas de bois, sinon j'aurais rajouté un petit message pour dire BJ. Faudra rajouter des. Ça faisait 3-4 jours que je devais te le reposer à chaque fois. J'ai. Petit bloc. Ouais, j'en ai mis un peu au sol, bouts, mais. Ouais, les bouts de. On va voir quand. Enfin, j'ai pas résisté à la tentation de t'appeler pour avoir ta réaction. Non, mais t'as bien fait, c'est rigolo.
J'adore. De l'or. Par contre, on, ouais, les Auriens sont des malades. Hein. Ah, dès qu'ils voient de l'or, encore de l'or. Et t'as vu là-bas, il y a de l'améthyste, quoi. Il y a pas mal, ouais, il commence l'améthyste... à y avoir pas mal de ressources. Hein. On est à quelle couche ? 17. C'est quoi toutes ces bestioles, là ? Il fait l'orage, en fait. Ah. Et quand il y a des orages, c'est bourré de bestioles comme ça ? Bah oui, parce qu'il fait nuit, en fait. C'est comme la nuit, en fait, l'orage. Ah. T'as des élytras pour remonter ou tu remontes à pied là ? Non, non, je remonte à pied. Bah j'ai mon petit escalier là. Oui. Puisqu'il faut tout péter, ça il faut tout le péter, ouais. Et les viewers, vous clipperez quand Alps, Roi et d'autres peut-être verront le beacon défoncé au fond de leur trou et qu'il faudra qu'ils l'enlèvent pour continuer. Oula, tu feras gaffe, il y a de l'orage qui est tombé juste à côté de toi. Il y a un éclair qui est tombé à côté. Ah oui, puis j'ai 4 cœurs. Ça pourrait très très mal finir dans cette affaire-là. Et puis ton armure, elle est pas du tout conductrice d'électricité, quoi. Non, pas du tout. Non, elle est rouillée. Putain, qu'il pleut sur Olicube. Hop. Ouais, j'ai fait un petit escalier creusé dans la roche. Bah, j'ai des élytres, mais comme je veux pas les perdre, je les mets pas. Après, je dois peut-être... J'en ai... Ah bah, il y en a dans les coffres. Ouais, c'est... Oui, oui, les coffres. J'en avais pris deux. Donc j'en ai une de rechange. Mais du coup, je me suis dit, si je la porte pas, je la perdrai pas comme ça. Ah bah ça, c'est sûr. Un peu comme l'armure en éthérite. Bah moi aussi, figure-toi, celle-là, je la porte pas. Mais j'en ai pas. Ah oui, c'est vrai. Je suis en diams. T'es en diams, ouais. J'ai qu'une petite pioche en éthérite, mais c'est un don de Alps. Un don. Disons que c'est une pioche que j'ai utilisée pour creuser le grand trou, que j'ai gardé sur moi, et puis depuis je la garde. Ouais, donc ici, ici c'est quasiment fini là, le fjord, il n'y a plus qu'à le mettre en eau. Ouais, mais alors ça te gêne pas que l'eau vienne de la mer et tombe J'ai pas eu le choix, hein. J'ai pas eu mon mot à dire. C'est ce qui se passe là. Allez, c'est pas pour le RP, mais c'est pour la beauté du lieu. Ça fera joli. Oui, oui, oui. Je pense. J'espère. Sinon, ils vont m'entendre. Hein. On refait tout à l'envers. On descend la mer au niveau 0. Bah ouais, mais il y a des viewers qui ont proposé ça, mais bon. De descendre le niveau de la mer, mais là. Ça fait du boulot. Hein. Elle est quand même un peu costaud. Il y a un moment, faut savoir s'arrêter aussi. Ouais. Bon, après, il y a une grosse île, donc on aurait pu faire des cascades au niveau de l'île qui est juste au nord de chez Leto. Ouais. Je sais pas où il est, Leto, je suis pas allé voir son projet. Ah, bah il est un poil à droite quand tu es à l'arrivée sur la mer là. Ouais. Il faut remonter un peu à droite, il est à 200 blocs. D'accord. 200 okay. blocs par là, le long de la côte. Ok. Faudrait que j'aille voir à l'occasion. Mais il y a tellement de projets que j'ai pas vu encore sur le serveur, c'est hallucinant. Ouais, puis on est du monde, hein, donc. Ouais, bah même, tu vois, dans la faction. Et c'est vrai qu'au niveau de la faction, il faudrait. J'ai pas tout vu. Ou qu'on s'organise un de ces quatre, un World Tour, rien que. Ouais. Rien que nous, parce que comme on n'est pas très nombreux, ça serait... C'est plus facile à organiser. Puis on est des gars sérieux, quoi. Ça sera un World Tour sérieux. Oui, on mettra pas le bazar. Ouais. Ouais. Parce que sinon, avec les autres, c'est l'enfer. Ah, t'as vu mon petit... Non, non. c'est pas le bon truc que j'ai jeté. Je voulais jeter un bloc de bouse et j'ai failli jeter mon arc. Non, mais... Tu l'as récupéré ? Oui, c'est bon. Il n'était pas tombé très bas. C'est juste moi qui suis tombé bien bas. Hop. T'as vu mon petit pont Il est très chouette. Millionnaire. Ouais, ouais. Ah bah c'est clair. Et on a sorti les formules de maths hein, pour le faire. Ah ouais, pour faire la courbe. Bon. Après, on a fait n'importe. Après, j'ai fait n'importe quoi parce que c'était trop compliqué. Mais... Après, on est loin du pont gothique en termes de. Ouais, non, mais c'était provisoire pour pouvoir passer. Parce attention, il y a un creeper, creeper derrière toi. Ah la sale bête. Bon. Ouais, mais c'était c'est provisoire, c'est le premier âge. Dès qu'il y aura le pont qui aura été fait, il sera remis aux normes gothiques.
Il y a un pont gothique qui doit aller de l'autre côté de la montagne, si je me souviens bien du projet. Ouais, il me semble. Et merci beaucoup, Davlek, pour le raid. Bienvenue à tous. On va... On est avec Zed. On va aller voir la base volante, la cité volante, après avoir visité les mines de la Zoria. Attends, je vais prendre mes... Ça me donnera l'occasion de glander. Je vais prendre mes élytres. Moi aussi, tu vois, ce soir, j'ai fini une partie de la construction, et puis j'avais dit que je ferais un peu de design... Mais j'avais des petits achats à faire à la zone commerciale, donc on a papoté avec The Smithies qui construit sa boutique de coraux. Puis après j'avais dit que je remettrais le beacon, donc c'est l'occasion d'aller papoter avec toi. Donc finalement, ça occupe bien une soirée, ça. Hein. Par contre, il faudrait peut-être que je passe quand même à la salle des coffres pour me régénérer un petit peu. Elle est pratique, hein, cette petite zone de régène. Ouais. Moi aussi, j'ai pas de beacon à ma base, donc quand je me fais un peu mal, je viens là. Tu donnes l'occasion à Z de procrastiner, il ne refusera jamais. D'où la cathédrale. Et salut Davlek, qui nous rejoint en vocal. Hello. Salut. Comment ça va? Comment ça va? Bien. Bon, bien, bien, bien. Yes. On procrastine, tu vois. Moi je travaille comme un malade et vous, voilà, d'accord. Ah ouais. Bah ça fait une moyenne. C'est ça. Enfin, je travaille comme un malade. J'étais en pleine séance d'aquaponie. Ouais. Moi j'ai fini une bonne partie. Enfin, j'ai fini la partie qui va soutenir toute ma base centrale. Donc, je me suis permis de faire une petite pause. Voilà, après un travail bien fait, on peut se permettre de se détendre un peu. On peut. Oui, effectivement. Est-ce que tu retrouves tes élytras ou est-ce que c'est comme ta lanterne, Zed? Non, ça y est. Oh non, elles sont bien planquées, mes élytres. J'ai une cache secrète. C'est de... La salle des coffres, c'est de pire en pire. C'est la caverne d'Ali Baba, ce truc. J'aime bien quand tu dis j'ai une cache secrète, dit le gars qui s'est installé dans un dédale pas possible de caverne qui court de la zone gothique jusqu'à la zone commerciale. Autant dire qu'il suffit que tu poses un coffre n'importe où, personne ne le retrouvera jamais, même s'il n'est pas caché. Surtout que je pose des coffres pour mettre mon brin et... Bon, c'est bon, j'ai mes élytres, j'ai mes cœurs régénérés, je vais pouvoir aller... Ah, t'es où? Bah, du coup, je t'ai pas vu repasser. Je suis à la salle des coffres. Ah d'accord, parce que moi je t'attendais toujours à côté de ton pont de petit de bois là, qui ne tenait plus bien. Ah non, je suis... Les cœurs. Ah bah ça y est. Ah bah là. Hop, ok. Tiens, on peut prendre le pont si tu veux. Si tu veux marcher un peu quand même. Ah ouais, j'aime bien marcher. On peut quand même accéder à une partie... C'est vraiment à la fin qu'on pourra plus... On sera obligé de voler. Attends. C'est ça que t'appelles un pont? Qu'est-ce qui... Oui, alors... Il est en construction. C'est des... Oh non, oh, encore les poulets. Oh putain. Bon, c'était nul ce pont, en fait. Ouais. On tient pas ça dessus. Ça va mal finir. Oh, l'équipe de bras cassés. Bon. J'ai fait plein de statues. Oh. Ah, des hippocampes. Ah vache. J'ai fait un aquaponie. Ah purée. Ah bah d'où l'aquaponie. Bah oui. J'avais pas compris. Qui c'est qui me tire dessus créa, c'est moi. Pourquoi tu me tires dessus? Mais je te tire pas dessus, je tire sur les fantômes. Bon, j'y arrive pas. Ah. Mais c'est que les flèches elles doivent tomber. Dans l'eau, elles avancent pas les flèches. Aïe. Mais ils picotent les machins là. Oui, il y a du lag. Oh, purée. On n'arrive pas à les toucher. Bon, il va falloir que j'aille me régénérer. Ça serait dommage de mourir là. On vient de partir. On aurait dû passer la nuit. Oh purée, ils picotent les machins dans l'eau. Ouais. Attends. Mais... Hop, je retourne dans la salle des coffres. Faux départ. Si c'était un faux départ. Je vais mourir. Non. Un cœur et demi. Je passe la nuit. Je sais pas si ça va t'aider, mais. Bah, ils vont disparaître, je pense. Moi, je suis planqué en dessous, je pense. Ah, vache! Non, Z, ne meurs pas en venant un voir demi-cœur. Ma cité. Je voudrais pas être responsable d'une mort de plus. Oh, vache! Aïe.
Où est-ce que je vais réapparaître? Si, si, il va mourir. C'est vrai. Il est mort. Faut que j'aille récupérer ton stuff, du coup. Ouais, parce que comme c'est chargé... Il y a tes élytras en plus, tu vois. Ouais, j'ai mis tes élytras. Pour une fois que tu les prends... On est obligé de venir en élytra chez toi? Alors, on n'est pas obligé pour admirer la vue. Mm. Mais si tu veux monter sur la ville, oui, t'es obligé. D'ailleurs, je me demandais, est-ce que ce serait bien pour le RP d'avoir une machine volante qui mène jusqu'à chez toi? Bah, je sais pas, ça dépend comment elle est décorée. je vois pas. Question. Je vais travailler dessus alors. En fait, je vois un on peu. On peut donner la forme qu'on veut quasiment. Ouais. Je vois certaines machines volantes. Bah, pour caricaturer, tu vois, style machine à TNT. Et je trouve que c'est pas très joli en fait. Ouais. C'est vrai que ça fait des. Je sais pas où t'es mort. T'es mort où? Sous le bâtiment qui flotte dans l'air. C'est pas du tout RP. Ah, le bâtiment de boîte. Ah oui, je... Oh purée, oui. Il flotte partout. Oh, alors, hein. Attends, je m'étais entraîné à en faire une. Ah oui, mais t'avais des... Ça ressemble à une espèce de petit téléphone. Mais il n'y a pas besoin... Ouais. Bah faut voir. Parce qu'en fait, moi j'ai prévu de faire des petites... des espèces de petits planeurs ou des petits... Oh, encore une Aerosta, style... Bah, steampunk, mais surtout, tu sais, genre un peu biplan, enfin, faut que je fasse des tests. Alors, qu'est-ce que j'ai récupéré, là? Ou alors une petite montgolfière, tu vois. À voir. Petite montgolfière, c'est faisable. Parce que là, ce que j'ai, ça ressemble à une espèce de nacelle, ça fait... c'est du... Ah non, c'est du père. C'est du 4 par... Parce qu'après, l'idée, c'est... En fait, la cité volante, c'est une cité nomade. Donc en fait, il n'y aura pas de téléphérique entre guillemets, tu vois. Parce qu'elle est, oui. Elle est pas toujours au même endroit. Je te rends ton matos. J'espère que tu as tout récupéré. Hop. Hop, hop, ma cotte de maille. Mon pantalon. Ma hache. Ouais, ça a l'air d'être bon. Mon or. Pourtant l'or. Tes élytras, c'est bon. Ouais. Les élytres et puis des fusées, donc c'est bon. Je crois que j'ai tout. Eh ben viens, alors on peut reprendre le pont et on va essayer de survivre à la traversée du pont. Et Ron qui dit quelle horreur, tu flottes partout. ça fait un peu gore. Hein. Oh là, les élytres, qu'est-ce que j'aime pas ça. Alors attends, il est où le pont? T'es où? T'es monté là, l'échafaudage? Je sais pas, je suis dans une pièce moche. Pauvre boîte à meufs. Ah, chouette. T'es où? Bah. T'es où? Je suis à la fontaine. Ah, bah ça y est. Ah, ça y est, je vois. D'accord. Je sais pas par où t'es passé. Par l'intérieur, en fait. D'accord. Alors. Donc, là en face, ce sera le temple de l'eau. A commencé à faire des petits tests à gauche. Hop. Et au bout du... Merde. T'as tombé ? Ouais. Je faisais le malin, je sautillais. De toute façon, on va plus aller très loin là. Si, on passe par là. Ça passe par là. Hop. Et du coup, en fait... il va y avoir des colonnades en arc de cercle, et puis au-delà il y aura un petit temple, enfin un temple. Et après, je prévois de faire un chemin avec un accès à un embarcadère en fait, pour justement relier les deux projets. Mm-hmm. On pourrait passer en surface, hein. Mais là du coup j'ai fait ça pour accéder direct à ma petite salle de stockage. Je suis un mineur, moi, donc ça me fait pas peur les petits couloirs. Oh, coucou. Coucou. Hop. Et du coup,
Là, tu vas voir la cité en sortant. Pop, pop, pop. Pop, pop, pop. Ouh, c'est de l'hélice à son pépère. Yep. Ah, il faut que ça soutienne quand même, c'est RP. Ouais, c'est top, hein. Hop, hop. Donc voilà, j'ai fini aujourd'hui le sol, en fait, tout simplement. Parce qu'au-dessus, je vais construire des bâtiments. Oui, c'est... pour l'instant, t'as rien fait, en fait. J'ai juste fait la base. T'as fait que le sol. Voilà, le sol, c'est ça. Le sol, c'est ce que t'appelles le sol, c'est la partie du dessus. Ouais, ouais, ouais. Pour poser les bâtiments et puis la partie vraiment ville de la base, quoi. Oh, Zedivol. Ouais. Avec des trappes, chouette, on va pouvoir les ouvrir. Alors, tu vas pouvoir en ouvrir pas mal. Mais, bande de petits voyous. Ah ouais, mais c'est que des trappes, le sol. Pas tout ah, à fait. Ah, des trappes et des... Ouais. Ah ouais, vache. Allez, tu vas pouvoir t'abuser, là. Mais non. Avec un petit briquet, là, il y a de quoi faire. Il n'y a pas la propagation du feu. Ouais, c'est triste. Et du coup, tu peux venir dans les... venir avec trois briquets, quoi. C'est à peu près safe. Si tu restes bien au milieu des chemins, tu peux venir voilà, dans les échafaudages pour accéder à la structure. Et on est sur les chemins de maintenance, en fait. Mm-hmm. Ouais, c'est marrant de pouvoir en mettre deux comme ça. Oui, alors c'est marrant une fois ou deux. C'est chiant. Ah oui, au bout d'un... à poser, oui. Non, mais je dis, c'est joli à voir. Voilà. C'est intéressant, ouais, à les poser, oui. En fait, le truc pour les poser, c'est le plus simple a été d'avoir une trappe, de s'aplatir avec la trappe pour pouvoir viser vers le haut, en fait. Ah ouais, bah ouais, sinon ça se met pas dans le bon sens. Ouais, ah et ouais, puis ouais. Comme j'ai pas de bloc en dessous, j'ai pas trop de moyens de me baisser, en fait, pour être plus bas. Donc d'où l'idée de la trappe, en fait. Et ça, c'est des murets de... Ah, d'ardoise, hum. Poli. Ah, on peut faire des murets avec la... Ah, ouais, ah ouais. Mais c'est cool, ça. Et après, avec tu vois... Avec les ardoises, on peut faire des murets. Il te faut de la cobble, tu sais, enfin la cobble deep slate, ouais, celle que ça, tu c'est mines. La poly, celle-là. Ouais. Il y a la poly, il y a la normale, il y a la. Ouais, il y en a plein des différentes sortes. Ouais. Plein, il y en a 4 sortes. Bonne nuit, Fredo. Après, tu vois, Shuka, il y a avec le debug stick, il devait faire en sorte qu'on puisse retourner les mules. Alors je lui ai demandé il y a une semaine ou deux, il m'a dit oui je vais le faire, il s'est planté, il a intégré un truc pour le stone cutter au lieu de faire la grindstone, du coup ça marchait pas. Avant-hier je lui en ai parlé, il m'a dit ah oui je vais le rajouter, et en fait il a fait en sorte qu'on puisse faire tourner sur lui-même la meule, mais on peut pas la retourner, donc finalement j'ai dû tout poser à la... à la main, parce que mon debug stick il a jamais fonctionné pour l'instant pour toutes les meules. Mais je ne désespère pas. Boitameur a renvoyé un message pour se plaindre auprès de Shuka. Et t'es mort que cette fois. Oui, parce que j'ai attendu d'avoir les élytras pour qu'on commence à construire, parce que sinon je serais mort un nombre incalculable de fois. Parce que les chutes, les glissades et tout. Ouais. Et donc bon, j'ai pas fait encore, mais le système de coursive là par lequel on est passé, il est déjà présent sous les chemins qui sont plus à l'extérieur, tu vois. Mais il est pas facile d'y accéder. Là, on peut descendre par là si tu veux. C'est safe. À peu près. Ah oui. Mais je ferai un accès RP en fait. Mais donc tu vois, tous les chemins, t'as ça en fait. Et donc l'idée, c'est que la ville, en fait, les habitants, eux, ils circulent au-dessus. Et ça, c'est vraiment la zone
de maintenance et puis de... De maintenance, ouais. Donc là aussi, il y a quelques meules. Et maintenance... Que vais-je faire ? Donc voilà, pour l'instant, j'en suis là. Ouais. Donc voilà, si tu veux quelques hélices pour soutenir tes beacons, je peux t'en fournir, sachant que comme j'avais aucune idée pour ouvrir des shops rentables, mes viewers m'ont dit d'ouvrir des shops pour vendre des hélices. Donc pourquoi pas. Oup. Ah oui, on a appelé le shop Hélice et Moon. Oh. À minuit, c'est un peu... Ouais, c'est... Ouais, ça passe. À minuit, ça passe. t'as réussi à retrouver ton chemin, c'est bon, Zed ? Oh ouais, je suis au château. Oh, j'avais pas vu qu'il était déjà minuit. On procrastine beaucoup trop. Ouais. Enfin, je suis avancé, ils ont fait le dôme aussi. Ouais, ils ont fait le dôme aujourd'hui. Ouais. Ça, moi, à chaque fois que j'arrive, il y a un truc qui est avancé, qui est énorme, quoi. Eux, ils procrastinent pas trop. Non, bah non. Comment ils font ? Ouais. Ah oui, c'est tout creux. Non mais je vais installer des hélices pour tout soutenir. Non mais c'est facile. En fait, tout le monde fait des cités volantes en fait, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, je vais vous laisser. Je vais parce que j'avais pas vu qu'il était déjà minuit. Des screens de mes statuts sur la. Ah oui. Sur la conf. Ah. Ah, sympa. Oh, elles sont beaux, elles sont belles. T'es fort en statue, Dev. Je me suis bien amusé, ouais. Ouais, je les ai pas texturés parce que je veux d'abord voir si on va les utiliser. Chouette, oh, c'est chouette. Et celui en stone brick, là, le poney avec la queue de sirène, là, il est vraiment... Ah bah c'est l'aquaponey, ouais. L'aquaponey, il est vraiment magnifique. C'est ça, l'aquaponey. Ouais, c'est spécial, le poney en sirène. Hein. On peut voir. Mais je sais pas si vous avez le droit de voir, non mais... Super beau. Ah non, c'est... Si, pourquoi pas, mais bon. Allez. C'est bien parce que c'est vous. Je vous montre l'aquaponey. Allez. Bon, je vous le montre aussi chez moi. Ça veut dire que vous étiez pas sur mon live ? C'est honteux. Bah, il y a quelques personnes, puisque tu m'as gentiment raid. Donc eux, mais bien sûr. Ils le savent, mais voilà. Donc voilà l'aquaponey. Bon, et puis du coup, je vais vous laisser les copings. Merci pour la visite de ta Zoria Z. De rien. Et puis à bientôt. Bonne nuit. Ouais, à bientôt. Merci encore pour le raid, Dave. Et puis pour être venu en vocal boîte tout à l'heure. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne nuit au chat. Bonne nuit. Voilà l'aquaponey. Il est chouette. Il est chouette. Bon, et bien écoutez les amis, j'espère que... Purée, minuit, ça va pas là, ça va pas. J'espère que ce stream vous a plu, merci beaucoup d'avoir été si nombreux. C'est vraiment excellent, on est presque à la limite des 8000 followers, donc c'est merci beaucoup. On se retrouve demain soir pour du HolyCube, on continuera à bosser... HolyCube, on continuera à bosser sur le timelapse et on ira en créa. Voilà les amis. Pourquoi je fais un slash ? Je sais pas si Z va bientôt arrêter. Est-ce qu'on raid Z ou est-ce qu'il va bientôt arrêter son stream ? Je ne sais pas. Sinon, on va raid The Smithies. Mais The Smithies, il continue peut-être un petit peu plus longtemps. Bon, par prudence, on va faire un petit raid sur The Smithies. Parce que je suis pas sûr que Z... Bonne nuit à tous ! Merci beaucoup. Et à demain. Merci pour la modération, hein, comme d'habitude. Ciao.